quand j'ai écouté ces thèmes-là, je me suis retrouvé aussi au Paris-Sud en train de se jeter esclave de la pauvreté. Et que c'est maintenant dans cette conférence que je retrouve ma liberté financière. Alléluia, le Seigneur de Dieu. Alors aujourd'hui, nous avons un autre thème de l'équilibre à ce qui concerne l'argent, la prospérité et la générosité. Et ce fait à pour le Seigneur, vraiment, c'est un Seigneur très riche. C'est un Seigneur très riche. Il y a une erreur que j'ai commettée, mais à travers de cet enseignement hier, vraiment, j'ai eu ma solution. J'avais la correction. Même c'est très important. Si je sais comme je n'ai jamais été, comme j'ai tous les pays, j'avoue. Je ne suis pas. Ça, je le dis du fond de mon cœur. Je crois que je vais essayer de dire quand je vais intervenir tout à l'heure ce qu'a été cette conférence. Merci également à tous les hommes de Dieu qui se sont dérangés et qui m'ont aidé à avec vous. Ça nous a réconforté. Et puis c'est sur les Makassi, c'est vous qui avez rendu possible cette conférence. C'était une conférence du bas. Et la conférence Moko ya solo. Et je crois que aujourd'hui nous allons terminer. La conférence de Moko ya nous ne ferons pas de live. La Facebook live. Tel que nous sommes en train de vivre cet événement ici sur place. Dans la commune du Kassavou, sur Banaliel, mont 34, au siège de l'église Rhéma, à la Montluance. La qualité de Batonier, sur la Bokimba, Batou, la Tabi, sur la Facebook Live, et les Kodak, sur Zobika, Kodak, et Loulou, et Aboawa, dans Banaliel, mont 34, et l'étang de Kassavou, on a ici, car on a eu un peu de Bani. C'est une conférence organisée par notre plateforme, la Banaliel, du Sacrifice. Il y a un peu de Bani, dans la Banaliel, dans la Banaliel, plateforme qui a aussi la personnalité. Je crois que c'est une grande conférence
à l'hôtel Félix sur le thème comment devenir millionnaire. Et nous avons cette conférence à l'hôtel Félix, c'est juste aussi la continuité de ce que nous avons déjà commencé et que nous voulons concrétiser. Voilà pourquoi cette conférence, à partir du mois prochain, je vais commencer ma formation que je donne de l'éducation financière pour former des entrepreneurs et PDG de leurs propres affaires, parce que nous voulons inciter dans ce pays à ce qu'on ait des entrepreneurs, des gens qui créent des actifs, qui créent également des emplois afin de pouvoir créer de la richesse dans le pays et assurer tout le développement de ce pays, la terre du Congo. Je vais partir d'un verset clé qui nous sommes appelés vraiment à expérimenter dans nos vies, cette vérité de la parole de Dieu, afin de jouir de notre liberté financière, c'est-à-dire dans 3 Jean 2. La Bible dit, je vis pour vous au nom de Jésus. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois. C'est un verset clé. Vérité scripturelle. Qui est appelée une réalité dans nos vies. Parle de la prospérité. Là, on fait allusion à la prospérité matérielle et financière parce que dans l'original, si on regarde bien l'original, en rapport avec ces versets, quand on dit à tous égards, c'est comme si quelqu'un part en voyage. Cette vérité de la parole de Dieu doit devenir réalité dans la vie de tout croyant. D'abord, la prospérité spirituelle. Il prospère l'état de ton âme. Il faut jouir de la liberté en Christ et Jésus, la liberté dans votre vie. La liberté que Christ nous a affranchie. Cette prospérité spirituelle a de retomber sur le plan physique dans notre corps pour vivre tous les jours en bonne santé physique qui est la volonté suprême et parfaite de Dieu pour nous. Et au fin de compte, la prospérité sur le plan matériel et sur le plan financier. Donc c'est un verset vraiment clé que nous sommes appelés à expérimenter dans notre vie parce que ça donne tous les aspects de la vie de quelqu'un. En commençant d'abord par la prospérité spirituelle, la prospérité sur le plan physique dans notre corps et la prospérité sur le plan financier et matériel. Et l'ordre est aussi bien respecté. D'abord la prospérité matérielle et financière aussi longtemps qu'ils ne sont pas prospères sur le plan spirituel, et voilà pourquoi en fin de compte ils arrivent à perdre même ce qu'ils ont reçu parce qu'ils ne sont pas spirituellement mûrs, forts, et voilà pourquoi ils peuvent perdre tout ce qu'ils ont et même ils peuvent connaître le problème au niveau de leur corps. Ils commencent à souffrir et voire même toute la richesse qu'ils avaient matérielle et financière, ils finissent par le perdre. Et la vie de tous les jours au quotidien. Vous avez dit qu'il y a des choses. Vous avez dit qu'il y a des choses. Vous avez dit qu'il n'y a pas dans le Seigneur. Vous avez fini par perdre. Si vous pensez que vous avez perdu leur vie. Parce qu'ils n'étaient pas spirituellement forts. Quand nous recevons Jésus, Jésus qui a vaincu. Nous avons aussi l'autorité de contrer l'ennemi des diables, bien ennemi vaincu, défait, détrôné, détruit, anéanti, et qui doit rester sous nos pieds parce que le Seigneur que nous avons reçu l'a vaincu
sa victoire, c'est notre victoire. Donc voilà pourquoi nous sommes à faire respecter cet ordre de priorité à la lumière de cette parole de Dieu qui dit qu'il faut d'abord la prospérité spirituelle et en même temps, cela aura des retombées dans notre corps, commencer à vivre en bonne santé physique qui est la volonté suprême et parfaite de Dieu pour nous. Et en fin de compte, quand nous allons commencer à jouir de la prospérité matérielle et financière, nous allons bien garder l'argent que Dieu nous a donné, voire même le fructifier, afin de pouvoir l'investir dans le royaume de Dieu, afin d'agrandir ce royaume. Amen. Amen. Alors, je voulais partir de ce verset. Ça renferme tous les aspects de la société, la société, la société, la société, la société, la même le père de la foi grave, la société, la société, et nous sommes appelés également à suivre leurs traces. Alors, conférence, pour toute vérité biblique, pour la je suis dans mon texte, il y a la route principale et la vérité avec un fossé d'erreur de chaque côté. Sur n'importe quel sujet biblique, ça soit la délivrance, la guérison, la prospérité, la Trinité, n'importe quel sujet, on trouve des gens dans les fossés d'un côté ou de l'autre. Voilà pourquoi nous avons voulu organiser cette conférence pour que les gens prennent conscience, parce que peut-être on ne sait pas retrouver d'un côté ou l'autre du fossé, on revient sur la route principale. Ce qui se trouve dans le fossé d'un côté, alors suivant un peu le raisonnement de ceux qui sont d'un côté de l'autre, que Jésus a vécu dans la misère noire. Nous suivons de tels enseignements. Même à la télévision, les gens qui défendent leur point de vue de cette manière. J'ai voulu, dans cette conférence, les gens qui agissent de cette manière, de ce point de vue, ils exposent ce qu'ils pensent, mais ils sont passés d'un côté du fossé. Dans l'autre fossé, se trouve également ceux qui prêchent ceci que s'enrichir, c'est le but principal de la foi. Dieu s'intéresse principalement à votre bien-être matériel et que l'argent est le critère pour mesurer la vraie spiritualité. Pour mesurer la vraie spiritualité, il faut avoir l'argent, beaucoup d'argent. Et c'est dit que vous avez un bon rébellé. Si vous n'avez pas l'argent, vous avez un bon rébellé. Toi, tu ne vis pas la piété. Tu ne connais pas Dieu. Et voilà aussi ces enseignements qui sont un peu diffusés par-ci, par-là. Cette manière, alors, où trouver la vérité alors? Pourquoi nous disons loin de ces deux positions extrêmes? C'est quoi? C'est-à-dire que toutes ces déviations vont amener ce qu'on appelle des erreurs, des extrêmes. Il y a des gens qui sont devenus des extrémistes, comme aussi la confusion. Il dit aussi dans le cadre, même dans d'autres thèmes, en dehors de ce thème sur la prospérité, nous voyons aujourd'hui avec le message sur la délivrance, la guérison, tout ce qu'on est en train de dire, mais bien aimé, il faut savoir que dans tout thème qui se trouve dans la Bible, les gens se retrouvent d'un côté ou l'autre du fossé. C'est-à-dire, si vous n'attirez pas votre attention et si vous ne voulez pas recadrer les choses pour revenir sur la route principale, vous risquez de demeurer de l'autre côté du fossé, croire que vous conduisez les choses très bien, alors que si vous ne remettez pas votre conscience au beau fixe, et vous risquez de, comme on le dit, aller à la gloire, c'est-à-dire que c'est fini pour vous, et les gens vont vous suivre, et vous allez perdre aussi beaucoup de gens avec cette déviation, bien cet extrémisme. Mais moi je dis que pour recadrer les choses, il faut faire preuve aussi de la sagesse et du bon sens. Je prends un exemple dans un autre domaine, autre que ce que nous sommes en train d'exploiter ici dans cette conférence, la prospérité. Je prends la guérison. Il y a d'autres gens qui disent
que Dieu nous a déjà guéri par le même souci de Jésus, nous sommes sauvés. C'est ce que moi je défends aussi. Nos infirmités, c'est chargé de nos maladies. Par ce même souci, nous avons été guéris. C'est ce que nous croyons. Moi, je crois d'ailleurs à cela. Et voilà pourquoi, une fois, je peux passer toute une année du 1er au 31 décembre sans prendre le médicament parce que je crois à ce que la parole de Dieu dit que Jésus a porté mes infirmités. Et par ce même souci, j'ai été guéri. Mais ce n'est pas pour autant que nous ne pouvons pas dire aussi aux enfants de Dieu que si vous pouvez consulter le médecin, ce n'est pas aussi mauvais. Mais il y a d'autres gens qui disent que non, le fait d'aller consulter le médecin, c'est que vous n'avez pas la foi, c'est que vous ne croyez pas Dieu, c'est que vous avez dévié. Et on donne même l'exemple dans la Bible, comme le roi Asa qui est allé consulter le médecin et puis après il est mort. Voilà pourquoi les gens disent que non, c'est parce que tu es allé consulter le médecin, c'est pourquoi tu es mort. Alors que pour le cas du roi Asa, c'était parce qu'il avait emprisonné et le prophète qui est venu lui apporter le message. Il devait réparer son problème avec son Dieu et ce n'était pas le prophète qui est allé consulter le médecin. Et vous voyez aussi les gens en train de mourir. Et j'ai donné même un exemple d'un homme de Dieu, ça j'ai suivi à la télévision, au Zimbabwe. Il a marché sur l'eau parce que Jésus a marché sur l'eau, il a dit à Pierre, viens. Il a marché, il a osé le faire, mais en fait des comptes, on l'a appelé par Dieu, au quotidien. Et ça, voilà là où l'extrémisme. Et si maintenant, avec la parole de Dieu, donc, cette conférence, et la générosité et d'apporter de la clarté, de la compréhension à ceux qui recherchent sincèrement la route principale de la vérité en ce qui concerne la prospérité biblique. Beaucoup de chrétiens et non-chrétiens ont découvert que ce qu'on peut acheter avec de l'argent ne leur offre aucune satisfaction permanente et que toute prospérité sans but éternel finit par décevoir et ne pas satisfaire. Bien que la Bible nous dit l'argent répond à l'argent, mais il y a des gens qui ont beaucoup d'argent et n'ont jamais été satisfaits. Voilà pourquoi plus on a, plus on veut. Vous avez 1000 dollars, vous chercherez à en avoir encore beaucoup plus. Plus longtemps que vous chercherez à en avoir plus, vous serez jamais satisfait. C'est ça ce qu'on remarque. Amen. Amen. Voilà pourquoi il faut bien donner le sens à l'argent. C'est pas mauvais de posséder de l'argent. Mais ce qui est mauvais, c'est que l'argent vous possède. Votre fidèle sœur qui te. Et nous voyons aussi les gens qui sont prospères, mais si leur prospérité n'a pas un but éternel, et finalement ils sont déçus, et ils ne sont pas aussi satisfaits. Donc, je suis en train de faire des mises au point en rapport avec l'argent, la prospérité, et en rapport avec la générosité. Je conclue pour dire que Dieu veut que nous fassions tous notre part en assumant notre responsabilité dans les domaines de la générosité. Ce n'est pas le cas. Les gens n'assument pas leur responsabilité dans le domaine de la générosité. La générosité, c'est tout un principe biblique. Si nous les observons, nous verrons le résultat de la mise en application. Si nous ne les appliquons pas, nous ne verrons pas aussi le résultat. Alors, en rapport avec la générosité, pour conclure, j'ai dit que Dieu veut que le membre de son Église ait un engagement légal. Comme la Bible le dit dans 2 Corinthiens 8, chapitre 14, verset 15. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand le membre vient dans une Église, certainement, là où il y a un regroupement des gens, les gens n'ont pas le même niveau de standing. Il y a d'autres gens qui sont bien rémunérés et d'autres qui ne sont pas aussi
très bien rémunéré. Vous pouvez avoir le membre dans une église, il y a quelqu'un qui travaille, qui touche 10 000 dollars, l'autre 5 000, 500 dollars, 300 dollars. Mais il y a d'autres qui touchent 20 dollars, 5 dollars. Ce sont des petits moyens. Mais le principe de la générosité, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire supporter les charges d'une église par une catégorie des gens, parce que ce sont eux qui ont les moyens. Il ne faut pas que les gens agissent de cette manière-là. Dieu veut que chacun s'engage et il faut que cet engagement soit égal. Et même si l'autre touche 1000 dollars, toi tu touches 10 dollars, mais dans les 10 dollars, tu dois aussi t'engager et contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu, comme la personne aussi qui a beaucoup d'argent. Mais souvent nous remarquons que c'est seulement ceux qui ont de l'argent, qui ont beaucoup d'argent, qui contribuent. Et les autres, s'ils s'en rendent compte, ils disent « Ah non, laissons aux autres. » Alors que ce n'est pas ça là, le principe de la générosité. C'est qu'on remarque sur le cette situation doit être corrigée parce que on voit enseigner les gens, c'est que c'est la générosité. Mais si nous ne sommes pas généreux, même si Dieu vous rendait une vie prospère, c'est que vous allez continuer toujours dans la même lancée, c'est-à-dire si vous n'aviez pas l'habitude de donner, vous continuerez de la même manière, alors que Dieu veut que nous puissions être généreux. Dans le cadre seulement de nos églises, chrétiens, nous remarquons cela. Si vous êtes dans une organisation, dans Romains 5:5, Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour remplir notre cœur de son amour. Et si nous avons l'amour, l'amour se démontre par les actes. Et ce ne sont pas quelques personnes qui doivent le faire. Il faut que cela soit pour tout le monde. Il faut un engagement égal. Donc, amis, ils ont pas besoin de faire le tournoi. C'est-à-dire accomplir sa volonté et faire son œuvre. Notre prospérité, c'est en rapport avec l'évangélisation. C'est pourquoi j'ai partagé en disant que Dieu veut que nous puissions gagner le cœur des gens. Même ce message de la prospérité n'a pas vraiment impacté dans le bon sens. Vous savez, la vie de Jésus qui a vécu sur la terre dans la prospérité et non dans la misère met fin à une mésentente. C'est pour corriger les gens qui sont passés d'un côté du fossé en disant que Jésus a vécu dans la misère noire. Jésus a vécu sur la terre dans la prospérité. Depuis sa naissance, l'image sont venues. Et avec tout ce qu'ils avaient apporté, ça montrait déjà la prospérité, la richesse. Jésus, quand il exerçait son ministère, il y a des gens qui ont été touchés dans l'exercice de son ministère et qui ont soutenu son ministère. Et voir même ses disciples.
quand il les a envoyés, il leur a demandé ce que vous avez manqué de quelque chose. Ils ont dit nous n'avons manqué de rien. Réalisé quand cette femme a répandu ce parfum d'abattre pour essayer un peu d'exprimer sa reconnaissance, ça n'a pas, disons, embarrassé le Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui-même Dieu, c'est lui la richesse, c'est lui tout. Vous ne pouvez pas être embarrassé par cela. Ça montre déjà que Jésus était prospère. Yes. Avec les gens qui ont pauvres, il a voulu faire seulement cette différence entre les gens qui étaient pauvres, en disant à ceux qui étaient là, vous ne serez pas toujours avec moi, mais vous serez toujours avec ces pauvres. Voilà pourquoi il faut les aider. Mais lui, il était riche. Ce n'est pas pour autant qu'il a dit qu'il était pauvre comme ces pauvres-là. Il a voulu seulement faire cette différence. Mais il y a souvent un Il a dit de guérir dans 2 Corinthiens, oui, dans 2 Corinthiens, il a dit que afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. D'accomplir le grand mandat. Il nous a dit allez partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Aujourd'hui, sur la terre, il y a au moins 7 milliards d'habitants. Pas plus de la moitié des gens qui ne sont pas encore sauvés. Comment ces gens-là seront sauvés? Et les gens nous demandent d'aller. Nous n'y allons pas. Nous sommes les gens qui vont y aller. Mais pour y aller, il faut avoir des moyens. Si on est pauvre, on ne saura pas accomplir le grand mandat. Dieu veut que nous soyons prospères. Et c'est ça même le but de notre prospérité. Mais cela n'a pas été enseigné. Le vrai but de la prospérité est d'aller ou d'envoyer. Dieu a un plan pour son peuple, y compris le moyen de l'habileté et de l'équiper pour faire son œuvre et vivre dans la victoire. Considérons seulement le principe comme le principe la loi de semer et de récolter au sujet de la dîme est innombrable et bonne raison pour donner. Tu peux être capable de changer nos vies. En vue de la réussite et de la victoire. Moins sept bénédictions qui s'en suivent par le fait de donner. Les amis, n'avons pas moli sambo. Il y a vraiment pour payer ça. Ceux qui ont payé, c'est quand même malamoko. Donner, payer ça. Et on dit, mais malobi, on vous donnera à vous. Bah, et vous payez ça, mais là, yo, parce que vous avez donné. Mais qui ont payé ça qui? Les on là, ce sont des on là. Ils ont des bateaux, bateaux, bateaux. C'est Dieu qui nous bénit. Ils ont béni ta part, mais on c'est le ils ont des bateaux, bateaux, bateaux. On va vous prendre là, yo. Donnera à vous qui avez donné. Après, on vous donnera à vous une bonne mesure. Après, on vous paye ça, il paye pas na yo, paye ça qui est malam. Une mesure. Serré, mekelo, tondi, benda malam, il va être malam. Serré, secoué. Oh, le corps, les qui est béni. Une mesure qui va déborder. Mais nous, on va pour l'état, vous soyez et on vous donnera à vous dans votre sein, dans votre vie. C'est à vous qu'on vous donnera. Et enfin, on dit, comme
vous avez donné, on vous donnera comme vous avez donné. Et voilà pourquoi la Bible dit celui qui sème paix moissonnera paix, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Et si nous mettons seulement en application ce seul verset, la loi de la semaille et de la moisson, vous sera donné. Nous deviendrons des gens prospères. Ne doutons pas de ce que Dieu veut dire. La parole de Dieu est la vérité. Dieu n'est pas un homme pour mentir, il est un homme pour se répandre. Ce qu'il promet, il a la capacité de l'accomplir. C'est une loi immuable. Si nous mettons cela en application, nous vivons la prospérité parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Voilà mes bien-aimés. Voilà comment Dieu nous fait prospérer. Ça, c'est l'aspect spirituel de notre vie. Et je ne vais pas manquer aussi de dire que Dieu nous fait prospérer aussi par notre travail. Voilà pourquoi nous sommes appelés à encourager nos fidèles à travailler. Parce que la Bible nous dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Un peu de sommeil, un peu de sommeil, la pauvreté qui m'a dit la dizaine de les gens doivent travailler. Où trouver du travail? Les enfants étudient, ils ont les diplômes, mais où trouver du travail? On ne trouve plus du travail. Nous avons la sagesse. Nous pouvons dire aux enfants de Dieu vous a doté des talents. Vous avez 5 talents, vous pouvez les sanctifier, ça fera 10. Vous avez 2 talents, vous pouvez les sanctifier, ça fera 2. Ne soyez pas comme cet homme qui avait reçu un seul talent et puis l'a enfoui au sol. Libérez votre potentiel. Devenez vous-même PDG de vos propres affaires. Je demande aux enfants de Dieu aujourd'hui de devenir des PDG de leurs propres affaires. Et la preuve avec hier, j'ai démontré les cadrans du cash flow. J'ai montré dans ces cadrans le cash flow. Pour dire tout simplement, c'est vrai, il y a du. Dans ces cadrans, nous avons des employés. Nous demandons à nos enfants. Parce qu'ils travaillent, ils vont recevoir les salaires. Et avec les salaires, ils vont payer la quille. Mais la précision est que tant que vous serez employé, vous êtes vraiment pas riche. Vous êtes même millionnaire. Et voilà pourquoi ils peuvent devenir des travailleurs autonomes. Petite dimension. Voilà pourquoi nous avons recommandé à ces gens des gens de leur propre entreprise, créer un système, créer une entreprise. Même si toi tu ne travailles pas, cette entreprise va travailler à ta place. Et tu vas créer ce qu'on appelle des actifs. L'actif, c'est aussi l'entreprise que tu as créée. Il y a également d'autres actifs que tu peux créer. Ils vont se générer les cash flows. C'est ça être un propriétaire d'une entreprise, un entrepreneur. Et une fois que vous devenez un entrepreneur, vous deviendrez aussi un investisseur. Parce qu'un investisseur, c'est les caractéristiques, c'est que l'argent travaille pour lui. Mais si tu es employé, c'est toi qui travailles pour l'argent. Or, si tu travailles pour l'argent, tu seras maintenu dans le piège de l'argent. Nombre d'heures que tu es en train de faire. 8 heures du temps, nous avons mis la mobile. Et toujours tel montant. C'est-à-dire tel montant. Il faut dépasser ces limites. Les gens à devenir propriétaires d'entreprise. Et avec l'argent qu'ils font générer, devenir des investisseurs parce que même si elle ne travaille pas, mais l'argent va commencer à travailler pour eux parce qu'ils sont des investisseurs et avec ça ils vont investir dans leur propre entreprise. Et je vous ai dit que les choses sont facilitées. Parce que vous entendez qu'il faut créer un capital, c'est important. Non,
Comment nous sommes appelés à nous comporter en tant que leaders de nos églises, les gens qui ont le ministère, c'est à nous d'apporter la solution. N'attendons pas ce que le monde, l'État puisse résoudre nos problèmes. Demandez pas ce que le pays peut faire pour vous. Demandez ce que vous pouvez faire pour le pays. Aujourd'hui, nous voyons avec des concepts de cadre macroéconomique. J'attendais quelque chose. En tout cas, moi, je vous dis, bon, attendez. Je connais les choses très bien. Et si je dis que je ne peux pas vraiment compter sur cela, je dois prendre moi-même ma vie en main et devenir PDG de mes propres affaires. Payer des actifs, c'est moi qui vais payer de la richesse. Je vais contribuer au développement de la communauté. Voilà les choses que nous sommes appelés à communiquer à nos fidèles, à nos membres. Vous voyez que Satan, ils ont écrit des lettres, ils ont demandé l'emploi. Mais pour qu'on t'épreuve, il faut qu'on t'y soit connu. Et c'est lui, il faut être d'un tel. Et c'est lui, dans la mutation, on n'est pas là. On est bien aimé. Nous pouvons contourner les telles situations. Nous pouvons dire aux enfants de Marabana, si vous avez le potentiel, libérez cela. Quand vous libérez votre potentiel, vous allez commencer à aider les gens. Et on va commencer à vous rémunérer. Parce que l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui résout les problèmes des gens. Cherche à satisfaire le besoin. Et si tu le fais, sera rémunéré. Et tu ne manqueras pas l'argent. Dieu va bénir. Et tu vas commencer à contribuer à l'avancement du royaume de Dieu. Réseau des gens, c'est de la même manière que nous sommes appelés à faire. Le plus grand investissement, c'est d'abonner les éducations. Ils sont aux enfants de Dieu. Nous croyons en vous. Voilà pourquoi, même si vous venez dans nos églises, vous êtes pauvres, mais après quelques années, c'est vous qui deviendrez les grands investisseurs, les grands entrepreneurs, les personnes bénies qui vivent la liberté financière. N'attendons pas le monde. Dieu nous a donné la sagesse. C'est nous qui méditons la parole. La Bible dit que nous aussi l'Esprit Saint nous séparer car nous faiblesses. Quand nous faisons bloc avec les choses, nous allons contrer la prière, la mort et toutes ces choses. C'est nous l'Église qui peut être la solution. Les gens peuvent être atteints par la maladie, mais ils iront chez le médecin. En fait, les conclusions, ils diront incurable. Et la prospérité soit donnée.
Parce que nous sommes en train de vivre des choses qu'on ne peut pas réaliser. Nous sommes des vieux, des fiers, des gens qui ne comprennent pas l'identité en Christ Jésus. Nous sommes ce que Dieu dit. Nous pouvons faire ce que Dieu dit. Et nous possédons ce que Dieu dit. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous avons de la valeur. Amen. Amen. Ça l'a fait. Bien moi, les uns solo. Je termine mon intervention. Dans mon intervention, j'ai essayé de souligner la valeur de l'équilibre et de l'enseignement sain en présentant tous les conseils de Dieu. Donnant tous les conseils de Dieu. Donc, ça va tout l'union sur l'examen des bains et pas dans le constat que moi je fais. Souvent, les hommes de Dieu enseignent tout ce qu'ils veulent enseigner. La délivrance, surtout tous ces temps. La pauvreté. Qui ne parle pas de l'argent. Parle de la prospérité. Mais demande seulement aux enfants de Dieu. Après, la délivrance, vous voulez l'argent. Ne montre pas aux enfants de Dieu. Comment ils peuvent sortir de ces problèmes de finances qui les assaillent pour atteindre ce qu'on appelle la liberté financière? C'est à nous d'apporter la solution. Et il y a d'autres même qui n'arrivent pas à parler de la prospérité. J'ai beaucoup aimé le témoignage de la compagnie Célestin. Pasteur Célestin. Je voulais apporter ma contribution. Lui disait seulement aux enfants de Dieu, quand vous êtes saints, alors avec cette communion que vous avez avec Dieu, vous marquerez les lignes. Bien aimé, vous verrez que vous êtes membres restants. Parce que pour être béni, la Bible dit, ce n'est pas par les jeunes et la prière que Dieu vous rendra prospères. La Bible dit, prenez et vous sera et vous prenez. Il faut leur montrer le principe de la prospérité. Amen. Il faut leur montrer cela. Ils peuvent être saints. Les saints qui restent forts. Ils ne contribueront pas à la force de l'Église. Parce que vous avez pensé sur la prospérité, sur l'argent, en rapport avec la parole de Dieu. Ne vous concentrez pas seulement sur le message que tu as donné à chacun de nous. Tu as donné le message. Moi je suis dans le ministère, les gens dans la foi, et avec mon message tu as la foi qui agit par l'amour. Mais je donne tous les conseils de Dieu, celle sur la prospérité, sur la délivrance, sur la guérison. Ça c'est pour équilibrer les choses. Il faut donner tous les enseignements. Sinon, vous aurez une église où les gens ne sont pas en bonne santé. Devant les enfants de Dieu, tous les conseils. N'ayez pas peur d'enseigner sur la prospérité. Les autres qui vous ont précédé, vous avez peur d'en parler. Si vous ne leur dites pas les choses, je vous ai dit que aujourd'hui la connaissance c'est l'argent. L'argent c'est la connaissance. Si les gens n'ont pas la connaissance de l'argent, les restaurants de bas. Voilà pourquoi il y a une allusion à Robert Kiyosaki. Amen. Amen. Un expert en éducation française. À l'âge de 45 ans, à l'âge de 35 ans, ce qu'on appelle la liberté financière. Et ils ont déclaré pour dire aussi longtemps que nous vivrons ici sur la terre, jusqu'à la fin des jours, nous ne vivrons plus dans la pauvreté, dans la souffrance. Parce que nous avons tous Mais si les gens qui sont dans le monde vivent de telles choses, et pourquoi pas nous les gens qui avons beaucoup plus de capacités, nous ne pouvons pas vivre ça. Voilà pourquoi je fais un jour Robert Kiyosaki. Amen. Amen. Et je parlais dans ici. Dans ma terre, dans la Awa.
En parlant également de cet enseignement, je me suis dit que c'est des géants. C'est un grand lecteur. Ça, je l'ai dit. Ça, c'est sans conteste. C'est ma passion. J'ai investi beaucoup d'argent. Acheter des livres. Et je me connecte avec des géants que je n'ai jamais rencontrés. Je me suis connecté simplement par la lecture des livres. Comme des géants, le père de la foi, Papa Kenneth Egin. Quand je parle de telles personnes, 86 ans d'âge, il a débuté 86 ans. 70 ans de ministère. Amen. Amen. De plus de 70 ans. Voilà le mal aussi parmi nous les hommes. Il y a des gens qui n'aiment pas s'inspirer des autres. Et ça n'a pas été fait. Il faut savoir alors que. En fin de compte, je dirai en tout cas, je ne suis pas en mesure de le faire. Je risque de me haïr. Je vais me traiter comme quelqu'un qui n'a pas le droit de l'autre. Je suis jugé. Mais si tu viens, on partage ensemble. Je vous communique des choses que tu peux connaître. Je vais vous apporter en plus la vie. Mais les gens ne veulent pas dire. Voilà le mal. Il faut corriger. Je l'ai dit tout parce que ce n'est pas pour rien que j'ai organisé cette conférence. Je passe à la télévision. Je consacre peut-être mon émission pour parler à ces séminaires, la conférence. La conférence, on a des dieux qui sont des mains. J'ai donné des invitations. Mais quand nous allons nous retrouver, nous sommes les premiers à nous demander la parole. Moi, je ne le ferai plus. Vous ne voulez pas prendre. Je ne vais pas sortir mon ami. Vous n'avez pas foutu que tu vois. Aujourd'hui, la connaissance de l'argent. Ça, je vous dis la vérité. Parce que vous pouvez avoir l'argent. Vous pouvez perdre cet argent. Est-ce que vous avez compris? Moi j'ai vu ce qu'on dit aujourd'hui, c'est la nouvelle. Et vous avez les apports aussi. La connaissance. Vous voyez, toi, pourtant. Et j'arrive à pour qui? Amen. Amen. Et nous sommes à l'heure des informations. L'information est gratuite, abondante et abondante. Mais si vous recevez une éducation, vous savez, j'aime beaucoup cette pensée. Vous suivez une vidéo de Pasteur Michaud. Vous savez, la façon dont il a exprimé cela, ça m'a fait. Il est devant une foule, non? Il a dit. N'ayez aucune crainte concernant votre éducation. Si vous pouvez faire des études, c'est mais si vous n'avez pas cette possibilité, vous pouvez néanmoins recevoir une éducation qui vient de Dieu grâce à la Bible. Les gens peuvent bâtir leur vie, 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 bâ
Amen. Par là que je vais terminer mon exposé. Merci. Encore suivi avec une attention. Amen. Amen. Au lieu que les gens les fassent pour vous, mais si ça ne pas la vous savez, souvent nous sommes étonnés quand nous avons la banque. Mais nous-mêmes nous sommes en train de faire la marketing. Moi, la plupart de mes livres, je les achète en ligne. Ce moment, on fait les opérations. Quelquefois, on réfuse. Et je comprends aussi pourquoi on a réfusé. Ce n'est pas seulement les cerveaux ou parmi vous. C'est à la portée de tout le monde. Et vous avez fait la marketing à raison. Donc c'est ça l'avantage. Il y a moins de tombes. Faire des opérations. Vous pouvez faire des opérations avec les gens qui sont à l'extérieur. Là, avec Donc, voilà un peu les choses que je vais partager. Ça, c'est dans le cadre de la formation. Oui, les amis, je vous ai mis la mission. La forêt verte. Si. Il y a des gens. Parce que souvent j'ai trouvé la difficulté. La difficulté que le pasteur a trouvé. Si vous adhérez, mais si vous n'avez pas des gens, vous avez la difficulté, vous avez bloqué. C'est ça les grands problèmes. Parce que vous ne pouvez pas devenir riche, bâtir votre fortune tant que vous n'avez pas agrandir votre réseau en profondeur. Réseau dans votre monnaie, laissez la conscience. Malheureusement, beaucoup sont rentrer dans le sens de vendre le produit. Il faut que les gens puissent ça nécessite la formation. Et je sais donc c'est ça un peu la base du rentrer. Et à mon ami, la forêt verte te donner une satisfaction. Comme la formation, souvent ce sont ces entreprises qui les organisent. Son éminence, je me tiens ici pour vous faire encore une demande. Je tente de méditer un verset de la Bible. C'est dans Proverbe. Là où la Bible est en train de dire, possédez, donc vendez tout ce que vous avez pour posséder la sagesse. C'est-à-dire vendez vos biens pour posséder la sagesse. Et je suis allé tomber aussi dans un verset de la Bible, dans des rois, chapitre 4. Si on peut lire ça, j'ai quelque chose un peu à soutirer là-bas. Et je vais vous faire une demande. Un roi. Des rois. Deux rois. Des rois, chapitre 4. Oui, le verset premier, on peut. 22. Les rois, si c'est possible. Une femme, donc le femme du fils de prophète, prit à Élisée en disant : ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. Amen. Ici, on parle vraiment d'un serviteur d'Élisée qui craignait Dieu. C'est-à-dire, cet homme vivait une vie de sainteté. Il prêchait, par exemple, je peux dire ça. Mais cet homme, si nous remarquons sa vie, il était pauvre. Donc, il avait l'habitude d'aller demander des crédits pour manger ou soit pour soutenir sa maison. Mais après sa mort, comme il avait des dettes partout, c'est les gens maintenant qui pouvaient venir pour s'en charger maintenant avec ses enfants. Alors tout ça, je me demandais quand je faisais vraiment la lecture, je me demandais, cet homme, il avait l'onction, il arrive des fois quelque part, l'onction peut enseigner aussi quelqu'un. C'est ce que vous venez de dire là-bas,
Si vous n'avez pas l'intelligence de l'école, la Bible aussi peut vous donner l'intelligence. Alors, je me remets en question. C'est l'erreur aussi des pasteurs qui ne veulent pas avoir des enseignements, ou c'est l'erreur du Saint-Esprit qui ne veut pas aussi enseigner les pasteurs. Alors, je demanderai à vous, si c'est possible, de nous faire même des syllabus. S'il y a moyen, nous, comme nous aimons la connaissance, nous aimons l'intelligence, bien qu'on a le Saint-Esprit, on viendra acheter ça. C'est ça ma demande. Merci. Merci pour votre intervention. Ce n'est pas que c'est le Saint-Esprit. Vous savez, nous sommes appelés à faire bloc avec le Saint-Esprit contre. C'est pourquoi la Bible dit que le Saint-Esprit vient nous aider dans nos faiblesses. Les faiblesses, ce sont les maladies, le péché, la pauvreté. Et quand nous faisons bloc avec le Saint-Esprit, vous savez, le Saint-Esprit, c'est comme une colombe. C'est un gentleman. Si tu lui donnes libre, il peut agir. Si vous voulez, à qui il n'a pas la colombe, il n'est pas comme un démon qui vient entrer dans la vie de quelqu'un dans l'impolitesse. Vous comprenez? Donc, si vous lui donnez libre cours, il prend et vous faites bloc ensemble pour contrer la pauvreté. Donc, il est là, il vient nous aider. Il ne vient pas nous contraindre, aider. C'est bien précisé. Vous comprenez? Mais ce que vous avez soulevé avant, ça, c'est ce que moi, c'est ça mon constat, même à la fin de cette conférence, les hommes de Dieu ne veulent pas apprendre. Ça, je le dis sincèrement. Mais il n'y a pas apprendre que, parce qu'on a dit, ma coquille, ainsi de suite, alors que ma édité. On le dit bien, sagesse, connaissance, on a faux sauvage. On achète. Moi, je vous dis, j'investis beaucoup d'argent. Je peux faire une année, j'ai dépensé plus de 3000 dollars pour acheter des livres. Je dis bien, et je n'achète pas des livres ici, en ligne. Vous comprenez? Mais ce que je n'achète pas dans le livre, premièrement, le fait de lire, c'est quoi? L'avantage, c'est quoi? Tu es en train d'assurer ce qu'on appelle ta propre croissance personnelle, ton développement personnel. Et quelqu'un, quand il se développe dans sa personne, cela lui permet aussi de libérer son potentiel au maximum. Et quand tu libères ton potentiel, tu seras en mesure d'aider les autres. Pourquoi va-t-il se passer, parce que le potentiel des arbres, là, parce que mon gars, c'est développé par la. Moi, je suis un homme, je passe à la télé, les gens, je fais d'ailleurs mes émissions en direct, les gens posent des questions comme ça, je réponds aussi, coup sur coup. Mais il faut avoir la connaissance. Pour les gars, mon livre, mon embargo, mon père, ça va être une multitude de gens, va qualifier que, au commun, discrédité, mais dans le bacal. Si tu veux paraître, il faut bien paraître, sinon tu risques de disparaître. Donc voilà un peu. Donc les hommes de Dieu, dans l'institution, je te dis, quand je parle de l'institution Église du Réveil Tifon, je suis le vice-président. Après l'évêque général, il y a moi et puis deux autres vice-présidents. Mais va permettre à la tête, dans le lobby de la gloire à la pasteur. Quand j'étais président provincial de la ville, comment j'ai géré la ville de Kinshasa, parce que la différence n'a pas été. Ils vont remarquer que là, j'avais la gestion, je dirigeais et je mettais toute ma connaissance pour la différence, c'est ça. Mais aujourd'hui, là où je suis, peut-être on est là seulement comme vice-président. Vous comprenez un peu ce que je viens de dire? C'est pas vraiment agir et on se limite seulement à où il va se permettre de se faire ça. Mais la ligne à la pasteur, comme je fais cette conférence, ce qui est la possibilité dans la vie de pasteur, où je suis dit qu'ils arrivent, où il y a, où il y a la maté à Oko, pour que nous disions que nous faisons ça dans la ville, ainsi de suite, parce que regardez un peu ce qui se passe en nous. Vous comprenez? Parce que nous avons été, ainsi de suite. C'est pourquoi nous apprenons tout le temps. Sauf aussi dans l'occasion, tout à l'heure, la communauté, parce que l'occasion, oui, c'est la carrière et ça. Nous, il y a un peu de temps, on a fait la liste, c'est qu'on est plus dans la géante, la ténétrique, la ténétrique, la générosité, la gloire, le son de là. Tous ces géants-là, nous les visons à la liste. Donc, on connaît ce qu'ils disent. Quand nous faisons le travail de Dieu, on est bien équilibré, comme la Bible dit.
force soit de te présenter devant Dieu comme un oublié qui n'a pas mangé. On va d'un côté où l'autre est affaussé, parce que tu ne vas pas dispenser seulement parole la vérité, parce que mon bon, il ne va pas recevoir. Donc, c'est ça le problème. Moi, je suis disposé. Si j'ai organisé cette conférence, c'était dans ce sens. Malgré que par on aille sur la pasteur pour t'attaquer et aider par nous à l'église, là, il nous apporter un plus. Mais dans un aspect, dans la justice, c'est gratuit. Hein. Les gens viennent, tout ça est en ligne. Là. Mais... Coach, merci de m'avoir accordé la parole. Je suis très content pour tout ce que nous avons appris. Ce qui m'a beaucoup marqué, d'abord, c'est le respect de l'homme de Dieu dans cette formation. Ça fait des jours, je viens, je trouve l'homme de Dieu est là. J'ai promis à l'église, parce que je suis le pasteur ado de l'église et à Tété, paroisse de Benteke, à Mongafula. J'ai promis à l'église le mercredi, j'avais dit, comme je trouve le papa, c'est-à-dire que quand j'arrive, il est là. Le respect de l'œuvre, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le respect de l'œuvre. Lui-même, le conférencier, est présent. Alors ça a attiré mon attention et j'ai pris quelque chose. Moi aussi, je ferai la même chose. Même pendant le culte, même le dimanche, je n'attendrai plus qu'on est là, il est soit allé, je suis encore loin, il faut que... Non. Donc, le papa est là avant tout le monde. J'ai promis à l'église que le vendredi, je serai avant papa. J'ai promis à l'église, mon diacre est là. J'ai dit, en tout cas, le vendredi, je ferai l'effort d'être avant l'archevêque. Et je suis arrivé ici à 7h. 10 minutes avant que le papa arrive. Je le confirme. Merci. Papa, nous avions hier une réflexion sur le tableau. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question en me disant, pour devenir investisseur, parce que tout le monde a le souhait de devenir investisseur. Parce que personne ne peut accepter d'être pauvre. Or, si vous êtes travailleur, ou non, si vous êtes employé, on peut vous faire partir. Vous avez les difficultés de prendre votre emploi. Peut-être que vous pouvez mourir comme ça. Il y a des gens qui travaillaient, des employés quelque part, on les fait partir. Et ça fait 30 ans, 40 ans, il n'a pas trouvé encore de emploi. Il est resté comme ça. Vous pouvez devenir le travailleur autonome. Peut-être que vous avez, c'est pas moi, une cabine, quelque chose par là. On vous pique cet argent-là. Vous n'êtes plus à mesure de reprendre vos activités. Et si vous devenez l'entrepreneur, souvent les entrepreneurs, les investisseurs, quand ils tombent ou quand ils font des faillites, 2 ans, 3 ans après, ils reviennent. C'est-à-dire que tout le monde a le souhait de devenir investisseur. Alors ma préoccupation, celle-ci, pour devenir investisseur, c'est un principe, c'est un organigramme ou c'est un choix pour devenir investisseur, parce que tout le monde a ce goût-là, tout le monde a ce souhait-là de devenir investisseur. Et cela, c'est un principe. C'est un choix ou ça vient d'hasard comme ça. Je dis et je vous remercie. Les choix. Les choix vous appartiennent. Amen. Amen. Quand je parle de l'investisseur, souvent ça fait trembler les gens parce que souvent dans notre pays, quand on entend les investisseurs, viennent de l'extérieur, par une débaillée, par une sous-bourreau, tout la mentalité ou un arbre. Amen. Investisseur veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a compris que l'argent doit travailler pour lui. C'est ça la définition d'un investisseur. Un investisseur, comme on dit ça, on a été dans ce salaire comme un employé. Un employé travaille pour de l'argent. Vous comprenez?
une fois de Manatongo, à qui na era Moussala, à 16h, à Zana 8h qui tend, à Zana temps piège argent. Donc 8h, on a arrosé la salaire, on a eu la foutre à la Yohana, tant que tout à Kala, alors qu'il va tous ces matins, vous comprenez? Alors, à ce moment-là, on ne va jamais être riche parce que ce qui a été pour Salaté, ça l'a un jour, deux jours, il y a la conférence sur Salaka, donc il va plus se demander des explications. Et puis, oui, on va. Parce que, aux alliés, aux obligés, aux Kéndé, parce que tu travailles pour de l'argent. Ce qui est le moyen de ça. C'est ça la différence entre un employé qui travaille pour l'argent et un investisseur, lui, c'est l'argent qui travaille pour lui. Voilà pourquoi. Celui qui est l'investisseur, il faut sa formation financière, ce qu'on appelle l'éducation financière. C'est cette éducation financière qui peut te permettre à ce que tu comprennes comment l'argent travaille pour quelqu'un. Et je vous ai dit aujourd'hui qu'il y a cette notion de l'économie qui dit l'effet de levier. Si toi-même tu faisais 100% du travail et tu réalisais tel résultat, mais si tu veux que l'argent commence à travailler pour toi, fais travailler les autres. Toi et eux-mêmes. Alors à ce moment-là, tu appliques ce concept de l'effet de levier. C'est-à-dire que, bateau, vous trompez à vous, vous faites ça 1% effort, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez 1% effort. Pour les gens qui ont un peu de temps, vous avez un résultat, et ça, différence, on a un peu de l'équipe, vous trompez à vous, contribuer à 1% effort. C'est ça l'effet de levier. Tu fais, c'est-à-dire que tu profites des efforts d'autres personnes pour réaliser le résultat que tu veux atteindre. Vous comprenez? Et c'est ça la meilleure manière aujourd'hui de gagner de l'argent avec le système de marketing des réseaux. Parce que dans les réseaux, par exemple, comme je l'ai dit, sauf par exemple, dans une ville, exemple, il y a Forêt Vert. Dans le ville, il y a bon, il faut que je lance la 2 mois, il y a un foutambo. 236, il y a un foutu. Mais ce que vous avez dit, c'est que pour organiser un bon balubi, il y a un coup de chasse au balubi. Le bar n'a pas encore à côté. Ceux qui n'ont suivi, on a suivi, on a suivi, trois personnes. Au foot, bambou, on a peine à 2 mois. Amen. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait déjà ce n'a salé 2 mois en aide. Et si la foot, n'a pas ça la soupe salatée. N'a pas ça la soupe salatée d'après le fonctionnement du système de marketing de réseau. Si quoi, on va travailler pour n'aider un bateau dans ce côté, ça, dans le réseau, dans l'aide. Ceux qui ont côté, ils ont côté, ils ont côté. Directement selon le système et la rémunération, dans ce soit bon, on a gagné tout dans le nom. Est-ce que vous comprenez? Ce qui dit que vous suivez, vous participez, vous avez une salaire sucré, le fait que vous êtes dans la région, dans la région, vous avez une salaire sucré, vous avez le fait que vous avez un pourcentage, vous avez un salaire sucré, vous avez un salaire sucré. Je ne travaille plus, c'est ce qu'on appelle le revenu résiduel qui est différent du revenu linéaire où ils arrivent à salaire, où ils ont travaillé, ils ont reposé encore, où tu travailles pour l'argent. Mais ici, c'est l'argent qui travaille pour toi. C'est-à-dire que ce sont les efforts des autres qui vous rapportent ce que vous êtes en train de gagner, alors que vous avez travaillé seulement pour la première fois, vous avez seulement accompli vos 2 mois. Est-ce que vous comprenez d'accord et l'on a sur le plan? Donc, investisseur, bon monde où tu travailles pour naïf. Non pas y a travaillé pour un bon investisseur, vous faites un bon canaïf là. À investir dans l'actif, ils ont voté le compte. Je vous ai donné un exemple. Dans le pays, il y a un actif dans la Malo. Donc, l'investir, c'est un actif. Mais il y a un actif dans le salaire de la Malo. Il y a un salaire de la Malo. Tant que le salaire de la Malo, donc, on a créé des emplois à cause des actifs dans la Malo de la Malo. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'État a créé un emploi qui est de la trouve. Ils sont mon côté créé actif. Ils sont créés actifs. Actif est pour le bali. Et c'est là que ce côté sont bons. Et ça, c'est le moment de mettre sur pied, même d'ailleurs, ça a été à monter sur ça à la place là. Vous comprenez? Donc, dans la vie de l'anga, quand on va sur ça là, on peut savoir un bon mot. Et en même temps, la créer pour ça, pour la bâtonne, parce que pour ce que tu as quand même, bon, on a un ça, tout ça, on a créé en toi. Mais on a créé en toi, on a dit, on a actif dans la vie. Actif en faisant du terrain agricole. Et tout ça, c'est ce que ça m'a fait. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que les gens qui ont un message de la maladie, je peux faire 1 année, 2 ans qui n'a rien pour moi. Non, c'est là qu'après, on a dit, la maladie, on a un bâtonne, 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 on a un bâtonne. Et c'est quand même pour ça. Non, n'a que ça parce que j'ai créé un actif, un terrain agricole. C'est un actif. Et cet actif-là,
génère des revenus de cash flow pour moi. Donc, on a gagné par mon dos, on a créé un lot pour la naïve, et moi, je suis là pour moi, je suis là pour moi. C'est ça être un investisseur, c'est-à-dire l'argent travaille pour vous. Et puis, il y a des gens aussi qui travaillent pour vous, et puis ils travaillent pour eux-mêmes parce qu'ils gagnent l'argent. C'est ça être investisseur. Amen. Dans le plus exemple, M. Banal, il y a un investisseur. Pourquoi ce n'est pas photocopié, ça? Hein? Ce n'est pas photocopié. Ce n'est même mieux en attendant que Dieu en attendant, tirer la porte. Photocopié dans le sol, ils activent. Tu vas dans parce que ça va faire que ce soit bon. Si on monte en dessous, on a tenté, on tient mon tour, parce que ça a la place, on a eu un foutu de bon, c'est tout un actif. Mais si on a une photocopie, on a tiré mon appui, on a gagné, dans ce moment-là, on a un tirage, on a un plus un actif, ça devient un passif. C'est moi qui sortirai de l'argent, parce que dans ce moment-là, ils ont généré un bon. Voilà la notion du cash. Et ça, c'est la différence entre actif et passif. Et là, on est au côté de mon état actif, et là, on est au côté de mon état passif. Nous, il faut qu'on ait la notion de créer actif. Pourquoi acheter une voiture au jour de rouler l'amour sur l'état personnel, c'est un passif. Parce que chaque fois, il faut payer les carburants et autres. Il faut entretenir en autre. Nous sommes mis au programme de la transport, là, ça devient un actif parce que ça va vous générer de revenus. Amen. Donc, c'est ça. Donc, investissez les actes et que vous n'avez pas de l'idée de la réalité. Il y a des gars qui ont dit faire un actif pour vous continuer à vous réagir sur le plan à ce que vous avez dit. Amen. Donc, la différence entre l'investisseur, c'est l'argent qui travaille pour eux. Voilà pourquoi je vous ai dit que les riches ne travaillent pas pour l'argent. Nous ne sommes pas comme des employés qui travaillent pour l'argent. Les riches, et ils créent des actifs qui leur génèrent du cash flow, c'est-à-dire le revenu. Amen. Et en même temps, Mbongwana, soit créer une entreprise naïve, à vous comme investisseur, parce que Mbongwana va vous gagner, à vous investir dans une entreprise naïve qui va faire des autres négociations. Amen. Voilà. Et pour la parole, je remercie la bichotte aux âmes. La monnaie, c'est Gabon Bakoni. La vie de Jésus qui a vaincu sur la terre, dans la prospérité, non dans la misère. Vous voyez, ce que tu as lu la Bible, la Esaïe. Ce que tu as lu la Esaïe. Esaïe 3, verset 10. Ce que vous avez vu sur les armoires, sur la vie sur les temps, pour tous les écritures. Esaïe 3, 10. Voilà. Vous dites que le juste est prospéré. Oui. Car il jouira du fruit de ses œuvres. Merci. C'est mon mot prophétique pour la papa. Aligné, puis surtout à la millionnaire. Dans la salle, à chaque jour, papa soit au bon de la partout. Et le voilà, il y a Zao et Baté, Zao Kotanga déjà, maintenant Kotanga déjà. La haute la manière à Zosara, dont la Zao mon année, David a outa la Zamba, Mamoko a Kotanga d'Awa, n'a pas l'air royal, a y est Baté n'a Kota, te moutumoko a mon aïe, pétoyé vite, mais a Kotanga l'année, je dois à Zamba, Kotse n'a les voilà, pour n'a la façon, papa Sarata. Pour un jour amener la ministre. Je ne suis pas et là, il y a un peu de choses qui confirment vraiment, on n'est pas capital. Tu le dis, amen. Et je suis fier de ces mots. Je dis que papa a monté ma robe sur moi, je ne sais pas qui m'a dit. Je ne sais pas si on a dit, mais on a des surprises. Je ne sais pas si on a parmi les gens qui ont fierté. La sala va campagne à Minene na Ajinanga, ou le Batu Banima, fait la sala la battre record, fait Poumoué Nimanga et fait sa confiance. Fait Banima qui est capital à format énorme. Si quelqu'un va pas voir. Merci. Voilà, il n'y a pas de commentaire. Devenez-vous atteindre ce titre que le juste est prospéré. Nous devenons juste quand nous recevons Jésus comme celui qui est sauvé. Amen. Et il va y avoir fruit de ses œuvres. C'est correct.
pas des commentaires. Comment le lève? Apôtre, on va se présenter, l'évangile se compose, l'église est là, l'anguilingue est là, Moussamba. On a se permis parce que ça fait 3 ans, Nazalina Kiss Awa, dans l'endormie de papa, dans la spécialité, dans les années, message à prospérité, ça va montrer ma casse, pour le Seigneur, la carte de l'église et Emma. Parce que dans ma coupe de prière, ma terre qui est mon pédaté, parce que dans la connaissance de moté, parce que ce que l'on va dire, les bandelis, ils allaient moins m'a commencé sur le côté en amité. Ma terre qui est la prospérité, t'es dans le Seigneur qui. Mais comment il y a un moment où, bah, j'ai un absorbant dans la manzambe, ma terre qui est mon pé. Mais ce que l'on dit, n'est pas le vide, les deux fossés, ou comment la prospérité, on peut bander malamou, mais comme il y a un point où vous pouvez, façon de me la magie. Dans le moment où comme moi passe na partout pour aller pour se mettre pour aller pour na pour me coacher na makambuana mais là on a la mine là de voir moi que où que ça est aussi très important na proverbe 27 malobi les riches dominent sur les pauvres et celui qui emprunte est esclave de celui qui prête passage où ça là na moi passe ma casse parce que ce hôtel bazo le riche bazo mon qui mais les pauvres bazo belé. Mais si vous tenez en amour dans la RDC à propos des églises, et c'est là que vous avez un grand abisso, vous avez un grand abisso, vous avez un parce que les États-Unis, pour que vous soyez dans la vente des États-Unis, dans le sens que vous avez un grand abisso, vous avez un grand abisso, les États-Unis, à propos des offrandes, vous avez des offrandes seulement. Première offrande des amis, give it, tout fait ça, comme offrande, tout fait ça, après ça, qui vous sauve. Offrande de l'Alibosso. Deuxième offrande, par les appels, les attaquites. Attaquites, cela veut dire quoi? Bah, homme d'affaires, on est les investisseurs. Parce que les États-Unis, il y a dans l'église pour les États-Unis, il y a dans la création de l'Alibosso. Mais à propos de l'église, il y a moins difficilement les investisseurs, il y a un bon effet. Mais n'est-ce pas pas expliqué, moi, quelque chose, je suis amoureux que les autres, déjà, ça pour investir. Et ça, que le pasteur, il y a un bassin en Zambé. Que la réunion y a pas au niveau sur ma salle là, au tiki si bango et si bango que non, chaque église, ils ont la panier à consommer la bateau où ils vont se poser et leur abonnier la mukolo, on a passé la montée après qu'ils ça vous a dit qu'ils t'abonnier. Chaque jour ils essaient de se passer l'église, fait pas au bataille bilambe et bilier rendez-vous. Ils ont la promotion de bilambe et bilier, pourquoi y a ma pêche chaque semaine, aya pêchement, de comment on passe la pêche, on a mangé là. Et là pour aller ça dans les terres, ils nous mettent dans nos églises. Et ça, moi, difficile, on a mon latin, mais ça, que moi, vous le faites parce que, tu y as dans l'église, tu m'as ça, la façon d'ailleurs, au camp d'église. Au bout, il y a un peu de sa monnaie à conseiller, papa, le baki. Parce que, on a dit, il y a moins d'humilité, même ce soir, au gang, il y a eu le bon bané, que non, au tchè, papa, ni oui, tu vois, comment le système là, il y a un bon bané, comme ça, pour ça, on va dire, on va inspirer, il y a un bon mot. Moussou, c'est pas beaucoup de mots, il y a un homme de Dieu, dans l'église, dans l'église. Pour ça, dans la façon, mais pas la façon, il y a une église qui a besoin de même. Le système, on a ce qui ne peut pas se dire, on a besoin de même, que chaque style doit expérimenter un mot. Et ça, va te dire, on va capable chaque jour, on va capable de se faire offrande, on va être capable de se faire. Parce qu'au monde, on a besoin de se faire chaque jour. Mais ça, par exemple, on a fait un mois. L'exemple, on a besoin de se faire. Et ça, on a passé un mois à la hauteur. Ma prisonnière qui n'a pas besoin chaque mois, je suis babi, il n'a pas babi l'eau. Mais le jour à haut, le problème ne s'est pas ça. Jusqu'à présent, qu'il a insulté, à comme on a un côté, on a autant de gens qui ont insulté. Mais tandis que là, on est beaucoup ça dans mon église, parce que l'église aussi, il y a des gens qui ont souffert plus que dans la prison. Parce que la prison aussi, ça n'a pas besoin d'un bon mot. Par contre, il y a besoin de la famille, la possibilité, parce que ça vient plus que dans la prison. Et donc, on a invité ceux qui, papa, à beaucoup de l'église de réveil, que chaque baguette n'a vu ça aussi. Il y a des gens qui ont besoin de travailler, qui ont besoin de révéler que les gens ont besoin de bon. Il y a un riche, il y a un pied, mais il y a un pauvre, il y a un pied. Il y a un besoin de l'église, il y a un avancement, il y a un marché, il y a un marché. Oui, le deuxième passage, on a signé ça. Dans le proverbe 18, 16, le présent des noms, lui, est large, la voix. Et lui donne accès auprès des grands. Tu vois qu'il va mater à la grande, le cours des grands, le cours des grands.
Je me suis posé une question. Le cours de grand exa par rapport à l'ancienneté, à la leader, à les églises de réveil, ou à grand à propos de l'argent. Là, si on a eu la peine à monter, parce que la bateau est en bon au bassin de l'église, ils ont bien bâti et bien plein de membres, ou parce que soit grand à propos de la bateau, à Roumé, à Mamanzam et à Congo, trop à haut et à sauter la vérité, n'est-ce pas le bâti. Parce que ce côté de la Bible, pas grand, pas à partir de l'évangile, n'a rien de descendu. Il n'est pas au même grand. À tous les églises, il y a des personnes, mais ce sont les gens qui ont dans la Bible, aux grands. Mais on a vu ça, on comprend les thèmes rassemblement des grands, des champions et tout ça. Mais la soirée est ce côté les églises, il y a des grands ou ming, au moins, il y a beaucoup de gens qui ont souffert ma tasse. Mais il y a des gens qui ont été mon dimanche rassemblé à l'église, mon royaume. L'homme de Dieu m'a battu à la terre, prospérité, ma casse, ça la Congo, plus de 10 ans. Dans le Rina et Boy, non, à terre, elle est bien. Mais là, dans l'église, il faut que la porte à l'église, il y a son nom, il y a un avant d'aller à l'Iban, il y a un peu de temps. Dans l'église, on a une vérité, dans l'église, on a 5000 personnes. Mais bateau, on a un ami tout va bien, bazar à la 50. Bah, moi, on est voilà surtout, on a habité à la 50, on a une bango. Mais les bateaux, on a un petit peu de temps. Bazo recevoir combien la vie n'a pas mopé, Baza la mise à la tête. Est-ce que ça fait ça, Bambo, quoi? A ça fait ça, t'as moins beau, tu sais, les Bambo, ça t'as pas fait. Et c'est ça que mon dîme à la bande de bien. Mais habiter ça, ma camisole, on le barate parce que tous aussi ma Bible, mais tous au moins la réalité, mon soussou. Il y a un an à l'oba. Bambo, bien, le présent. Moutou, Azan, un bon, Azan, un bon, Azan, va bien mingi. Et font la caille du Sika. Moutou, un bon, ma côte à la partout. Alléluia. Moutou, un bon, ma côte à la partout. À ta fête, tu vois, avec ce que tu as fait, c'est pour exactement à Okota. Père Balobi, et vous formulez ma voix, et lui donne accès auprès des grands. N'ayez pas passé un moment à terre à prospérité, nous connaissons ça la maman, ils en ont fait mal à mon père. À ce temps, il y a ma terre à prospérité. Papa, mon voisin, il y a ma terre à ma terre au décal. À tel et lui, dans mon tout cas, il y a un bon mot. Il m'a donné 100 dollars. Alors, c'est pas pour toi, bien sûr, ou pas pour la langue de Dieu. Parti qui a été, après sur l'homme de Dieu, a même maintenant à Moutou Bakéli. Parce qu'il y a un bon mot, on t'a oublié que ça, mais ceux qui m'ont trouvé à ça qui n'a pas mon talité, n'allez pas l'homme de Dieu, tchanga le bobo, pas pour toi, on va oublier ça, etc. Mais tant qu'il y a un bon mot à Okota, à Kouya, il y a un bon mot à ma casse-née, papa, le bon mot, et faut m'en la porte, ça va se mettre. Et moi, papa, c'est spécialiste, ma maman, m'a expliqué du sol des passages au Nandengue, enseignement à Ezabo, même la mission. La soukure, merci beaucoup. Et par les proverbes 18-16. Les dons d'un homme lui ouvre la voie et lui donne accès au prix du grand. Et lui, le matin, il va grand, parce que le papa, ça va grand, il va dire, bon, ça va grand. Il va poser un grand, il va donner un temps, il va dire, pas une année. Sauf que lui, il va libérer un peu pour que vous accès pas à grand. Donc on parle des dons d'un homme, lui ouvre la voie et lui donne accès auprès de grand. Les dons, tu as les dons en toi. Vous avez tout le temps un talent en toi. Vous comprenez? Si vous pouvez bien vous voyez balader, mais si vous pouvez vous libérer, c'est pourquoi j'ai dit que si vous avez développé, pour vous libérer le potentiel au maximum, et puis on peut vous aider à tout. Pourquoi tu as même la cour et abattu au grand parce qu'il va dire qu'on a personnalité dans le monde. Mais toi, tu deviendras, c'est Dieu qui te rendra grand. C'est Dieu qui rendra ta renommée, mon aîné, les attendre. Pourquoi tu vas pas grand, ce qui va grand, il va être grand. Parce que nous avons comme ça, ce grand, dans ma macabre, tout ça, dans le monde, ce les cas, il faut comprendre pour la battre. C'est de cette manière que tu deviendras grand. Mais ce va le dire pour des grands, peut-être. Il y a un monde qui est dans la crité où il y a la moitié parce que le monde se dit, bah si crité dans le monde, parce que bah mais non. Donc toi, il y a l'identité dans la vie, ou tout ça dans le cas, il y a Jésus Christ. Bah lui, il donne des noms. Il t'avoue et sa carte à l'eau. Il faut que ce soit assez pour le plus grand. Il faut que l'eau m'apporte. Donc il faut le libérer pour nous amener à la carte à l'eau, pour nous libérer à l'eau, pour que l'on ne va pas s'intéresser. Moi, je passe à la télévision pour dire la personnalité va dire. La respectant, mais maintenant, je suis beaucoup dans la volonté de l'homme. Ce sont en plus dans la volonté parce que le bon pasteur, nous te suivons ainsi de suite. Donc, on a soit accès, et pas une avant-go, la respectant, il va éduquer le pasteur qui a même temps à visiter la volonté. Donc, c'est le don que tu as en toi, que quand tu libères, ça commence à aider les gens, Dieu te rendra grand. C'est
ça la vérité, ça t'est pour les grands, pour les grands, essentiel, un logo de la matière, pas une aïe, au niveau partagé par la bâtisse, ce que nous parlons. Amen, c'est dans ce sens-là. Tandis que, quand on a un poteau, riche, on peut cette fois accès. C'est vrai, dans le paquet qu'on a la riche, vous savez, la prospérité relative. Faut que j'y dans le bac, ils nous ont envoyé dans un beau cas, dans un ami qui nous a été, sauf le même dans mon couteau, après pour faciliter les gens qui ont ça, pour suivre. Est-ce que vous comprenez bien? Dans un beau cas, dans un moyen de déplacement, au cas où tu peux essayer moto, après vous déplacer dans mon couteau, c'est sa prospérité. Donc c'est relatif. Vous comprenez? Et puis dans le bac, ils m'ont dit, dans la garde, je peux dans le lait qui n'a rien à minimum, moi, ça n'a pas. Vous êtes très riche dans le monde. Bien que vous êtes riche, il y a abondamment un bon côté, le voilà, vous êtes à 1 million de dollars ou 2 millions de dollars. Vous comprenez? Pour illustrer un peu cela, je vais dire quoi? Est-ce que celui qui prophétise est un prophète? Non. Il faut avoir un appel et un ministère au cause de la prophète. Mais le fait de prophétiser ne veut pas dire que tu es réellement un prophète. Donc le fait de prophétiser pour le bas, mon Dieu, ça veut dire qu'on prophète. Mon Dieu, ce n'est pas un riche dans le monde. Mais pose à la prophète, il pose à la cité au dégâts, et ça le voit nous faisons un bon moi et payer. Donc nous avons un bon moi. Et donc, il faut faire comprendre le voilà tout le monde. Parce que premièrement, dans la Bible nous dit, quand nous recevons déjà Jésus, nous sommes riches en Christ de Jésus. Ça, c'est la vérité. La première bénédiction que tu as spirituelle, et après, elle vous s'est manifestée sur le plan matériel. Donc tu dois d'abord croire que tu es riche en Christ et Jésus. D'ailleurs, la Bible le dit dans Ephésiens 1, 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ et Jésus. Donc tu as déjà riche, tu as déjà riche. D'ailleurs, je vous ai dit que ce n'est pas parce que tu es béni que tu es riche. Parce que nous sommes bon, on a un amour, mais bien là, on en a riche. C'est un peu la différence. Tu es riche parce que tu es béni. Voilà la différence. Dans un riche, parce que dans un béni, je suis béni de la bénédiction de l'Éternel qui enrichit comme la Bible le dit dans Proverbe 10, 22. Vous comprenez? Alors, ce qui est aussi une différence, voilà. Mais il y a ce que, effectivement, la Bible le dit, la riche, c'est ce que la Bible dit. Or, dans le principe où il s'agit de la prospérité, la Bible le dit, la riche, la pauvre. Ce qui va tout ça, la pauvre, c'est que. Parce qu'en frein, on va pour établir le malentendu. Donc, vous comprenez? Donc, intervention, il y a un moyen dans lequel qu'il faut que cela se pose à la généreuse. C'est-à-dire que, dans la carte église, il faut engagement qu'ils à la négé mon pot. Parce que souvent, on a la mentalité qui est toujours pauvre, parce que souvent, on a un bon mot, parce que souvent, on a un bon mot, parce que il faut enlever cette mentalité dans ma fidèle église. Jésus a dit, vous avez des pauvres parmi vous. Nous sommes en milieu de l'école, à Andimate, il y a sa pauvre bande à vous. Andimate, il y a une dame dans l'église à la prospère. Parce que Proverbe 118, verset 25, nous dit, ô Éternel, donne la prospérité. Donc il doit croire à la prospérité. Andimate, il y a sa pauvre, pour pas soumettre. Mais seulement les pasteurs, comme j'ai tenu cette conférence, tout si c'était pas dans la table de Nabiso, l'église n'a pas la forme, l'investisseur a voyé. Et on a un peu dans ce système. C'est-à-dire que dans la table, dans la boucanie, on va repérer pour investir dans le continent. Mais dans le baron, on va en catégorie, on va faire ça la rater. Il faut le baron en catégorie, on va dire que nous sommes dans entrepreneur, on va être actif, pour être comme investisseur, il y a un royaume, il y a un zambé. Il y a des actions de grâce, il y a des hommes, il y a Galaxie 6, il y a les investissements du royaume, et puis ils allaient aux frères sacrificiels, les A8. Mais dans le bien, au 8, Bachar a 8 paniété. Et puis après, ça va vous colonner ce côté. Priorité, ça allait d'abord dîme là, aux frères. Peut-être les sacrificiels, ceux qui, circonstances pour les alliés, on le dit, bon, oui, on peut se le voir. Mais puis ça va vous colonner ce côté pour taper cette paniété. Et tu es grand bibalé. Mais mon dit, ah, tu ne vas pas pour la gueule, comment vous voulez. Ou bien, si vous montez à
réalité des galaxies, c'est ça, c'est pour tout le monde. L'endroit où tu as pas dit là, tu sais pas la puce. Vous comprenez? Mais si on parle de tu as pas dit, on va être dans le panier, on va dans le Tchanadi, au Tchanofrande, nous surtout dans le panier. Si on tient le panier, on se trouve à aller avec l'investisseur, c'est parce que, écoutez, ce n'est pas que bah, homme riche, bah, ça va payer dans l'église, bah, ça va plus avoir bon. Non. C'est-à-dire le pasteur, dans son église locale, il a suscité les fidèles de son église, pas comme un investisseur, c'est-à-dire, bah, monsieur Bazaba PDG, Bazaba entreprise, bah, monsieur Bazaba haut responsable, et à 100 000 en église, voilà. Et c'est pourquoi, à 5 000 en église, bah, tchap, bah, bah, les gens répondent à ma besoin. Mais cela ne peut pas être réservé seulement à une petite catégorie quand il y a un bateau. Mais c'est que les bateaux se trouvent comme un entrepreneur, comme un banque pour aider, et puis pour investir, pour que nous soyons moyens, pour que nous soyons en train de vous dire. Amen. Voilà comment je peux répondre à cette question. Amen. C'est en France, je crois que les gens ont juste préoccupation. Lui, il y a un point où il y a soutenu ou développé pendant 3 jours. En fait, nous avons un grand problème dans le pays, surtout dans le pays Nabisso, dans les campagnes d'état de prospérité, dans la richesse. Je voulais juste, si vous pouvez nous aider à vous éclairer Nabisso, quand est-ce qu'on peut dire à une personne hasard prospère, et puis quand est-ce qu'on peut dire à quelqu'un hasard riche ou bien hasard riche. Pourquoi je veux vous éclairer Nabisso? Parce que les lots ont constaté l'ont pour mon compte. Mais il y a ma salle à la RDC. Ce qui est à la même tout cas 3, Aza va nous parler 5. Aza n'a pas maison à habillement, elle va vendre à produire ainsi de suite. Alors Aza prospère. Bah, même élément où Aza n'a pas qualifié que et créer prospérité naïe. Et Zapé n'a pas Aza n'a pas mais il est Aza n'a pas encore mon poste. C'est-à-dire l'autre Aza n'a mis tout cas 5. Il y a Zara Namoko. L'autre a maintenant 3, il y a Zara Namoko. L'autre a la boutique 10, il y a Zara Namoko. C'est-à-dire, les mains non surtout. Vous pouvez qualifier de quoi la terre va être la prospérité. Et pas mon moko à l'objet de Wana dans la prospérité. Alors, par rapport à Yama, je sais que quand on parle de la prospérité, autre côté, les services sont nous, vraiment mis dans le monde. Mais il y a un aspect un peu plus souqué. Tant que la prospérité dans le monde, on a un petit exemple, il y a un peu de 10, au moins la conférence, il y a un peu de temps, il y a 10 volants, il y a un peu de 10 volants. Et ça, le matin, on aura un tour à mort. On a un peu de temps à mort, on a un peu de temps à mort, on a une conférence. Donc, comme il y a un peu de temps, on doit confirmer ta prospérité. On ne peut pas confirmer ma prospérité. Alors, je verrai, oui, les rendez-vous sont dans les la différence qui est entre la richesse et la prospérité. Et je crois que ça pourra nous aider à savoir qu'il y a d'autres personnes, on ne peut pas dire qu'ils sont prospères, on peut dire qu'ils sont les riches, et d'autres, on peut dire qu'ils sont, non pas seulement les riches, mais ils sont des prospères. Donc, ça dit, la prospérité n'a pas pour la mort. Voilà un peu, elle est un peu sur la vie, maman pour toi. Oui, on dit que le 2 Corinthiens 8:9. Quand il était riche, il s'est fait pauvre afin que ça pauvreté, que nous soyons enrichis. Donc ça c'est le premier point du départ. Même tout ça, vous allez dire pauvre, vous voyez, vous avez baillé. Si vous avez un billet, vous n'ayez aucun complexe. C'est la Bible qui l'est dit, c'est la vérité de la parole de Dieu. Et si tu continues à le dire, cette vérité deviendra réalité. Oui, on peut la prospérité, vous allez matérielle et financière. Même toi, Jean Delori, je souhaite que tu prospères. Et là, c'est à tous égards de dire matériel et financier. Vous comprenez? Déjà, la seule nuance entre le salaire riche. Vous avez déjà riche d'être riche. Il y en a un bail que du saut de l'obaratosa riche pour l'anime, parce que nous sommes déjà bénis de la bénédiction de l'éternel qui enrichit nous. Quand nous sommes au bazar riche à cause de l'eau, ça n'a pas. Vous comprenez? À vous de bâtir, nous avons béni, il y a un hasard riche, ça n'a pas de l'eau pour la main. Mais puisque dans l'ensemble que tu renouvelles, nous avons un riche parce que nous avons béni de la bénédiction de l'éternel qui enrichit. Et puis, Nasa déjà riche d'abord sur le plan spirituel. Tati Naïsou,
Mais si quoi, et ça spirituel fait comme en réalité sur le plan matériel. Et la matériel, voilà, c'est ce qu'on a, et voilà, c'est concrétisé ce qu'on a dit l'eau. Mais est-ce que du l'eau pour moi, parce que ça n'a pas sur toi, ou ça n'a pas mon go, donc il y a plus prospère que l'autre? Je vous ai dit que la prospérité est relative. Aujourd'hui, la matière, il y a un amour tout galant, beaucoup même temps, il y a un amour soit dans un autre image, dans un prospère, dans un prospère. Dans mon obatique, que y a plus prospère, enfin, il y a un amour. C'est relatif. Vous comprenez? Donc, il y a un amour tout, voilà ce qu'on a que. Premièrement, la prospérité, il faut comprendre dans la néga Jésus. Amen? La néga Jésus, c'est-à-dire que Jésus accomplissait la volonté de Dieu et son œuvre. Et Dieu pourvoyait à tous ses besoins. C'est ça la prospérité. Pas besoin dans les choses à la pour vivre. Comme Philippiens 4, 19 le dit. C'est-à-dire que tes besoins sont pourvus aux autres pour ça y est et après ça la œuvre est en temps. Mais si on a fait ça la œuvre en temps, maintenant, nous tout avons même tué dans l'église. Et derrière notre Seigneur Jésus-Christ, pour montrer aussi que sa prospérité, ça nous coule à haut, puisque tout ça la fait comparaison à Bilobo et à Baton, ça c'est vraiment déplacé. Ça, je l'ai dit, c'est vraiment déplacé. Mais Jésus-Christ a tombé à l'empire, c'était un empire mondial. Mais Jésus a été reconnu. Voilà pourquoi j'ai enseigné sur la générosité. Il était l'homme le plus généreux et libéral qui ait jamais vécu sur la terre. Au Baye Bakiye Kazaï Koukaba. Au Baton Soubazan Abambo, vous avez Bakabakati. Ils sont cupides, des riches, mais cupides. Ils ne sont pas généreux. Voilà la différence. D'ailleurs, c'est ce qui se remarque aujourd'hui. Les gens qui prétendent avoir des gens de bambo, ils sont qui disent Baba Kabarati. Vous comprenez? Mais les richesses en est une. Et ça, tu es à qui a échoué. Il est surtout même en pire, tu es banca, tu es à qui a passé au bébé l'été, mais à qui nous devons voir d'aïe au Kaba. Voilà le trace au Seigneur de la Kabo et Zaïa, et à Yeshu Christ. À Zaïe, aujourd'hui, on a besoin de choses à la confier. Mais n'était pas extravagant. Extravagance. Ça, c'est l'extravagance. N'a pas une chose à la bambou, mais délai aux alentours. Ce n'est pas mal de posséder le bien, mais c'est mauvais d'être possédé par le bien. Si vous possédez dans la vie, nous avons pas pour ça la comparaison, alors à ce moment-là, les amateurs, alors que ce que la bande en train de faire, c'est absolu ça la comparaison. Vous comprenez? Et d'ailleurs, vous avez envie de faire ça. C'est le moins j'ai dit. Je m'en levais, est-ce que vous m'avez dit, ou alors il y a des ou m'avez dit, ou m'avez bon, c'est ça, nous savons. Pourquoi pas vous offrir en termes de son groupe pour mon idée, comme ce que vous voyez, parce que l'accès est génial aussi. Vous comprenez? Vous savez, l'homme le plus riche du monde, Bill Gates, a su une richesse, même le lot, à côté de la globe, à la philanthropie. A su qu'à Babambo, on a encore eu ce donc, il y a l'accès important, ça va pour ma fille, ça y est, pardon, mais qu'il soit un débat. Tout ça, ça va être de l'eau, la question que nous avons appris, ça va pas être aussi. Il n'y a pas beaucoup de bravo. Amen. On va comprendre que Mbongo et ça, vous allez en moté, vous appelez la biopébilité. Ce qui est important, c'est son utilisation. Vous utilisez mon négé mini. C'est là où se trouve l'importance, il y a le bambou, il y a Mbongo. Donc, si vous allez en moté, vous allez en biopébilité, vous allez bien. Le beau et en moté, c'est ça aussi la prospérité, mais tout ça déjà riche, quand il y a eu ce Christ. Mais vous allez en l'amour, le négé, le mini. Est-ce que ce sont la bateau, nous autres allons encore peut-être pour l'accepter, pour la bateau qui était, alors que tant que ce travail est capable, Dieu puisse que quand on n'est pas église, mon message, à deux mon église, il va dire ça. Et capable de calmer, comme ça va traiter pour nos élèves, mon appui, tu es généré. Et là, tu donnes l'importance dans le cas où il s'agit un peu. Donc vous comprenez un peu, c'est-à-dire que les problèmes, il y a les balbutes, et on a un système, il y a tout comme un investisseur et un royaume. Nous avons investi pour la continuation. Nous avons baptisé pour la but de l'évangélisation. Non pas le but, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, ce n'est pas cela. Alors que nous avons fait œuvre d'évangélisation sur ça, alors que nous avons fait œuvre d'évangélisation. Œuvre d'évangélisation, nous avons fait ça. L'âme va gagner. Le royaume est dans la grande ligne. Batina, nous avons formé, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, tant que tu ne le fais pas de cette manière-là, donc tu ne sais pas pourquoi tu es appelé. Tu ne sais pas pourquoi tu as voulu que tu puisses être prospère. On a le mec qui a raison pour essayer de que ça soit parce que tu n'as pas entendu, parce que tu as obéi ma parole, parce que tu n'as pas compris où ils allaient, tu n'as pas entendu. C'est parce que tu n'as pas entendu que tu et il est le mouvement. Et en même temps, tu as que ça peut être donné, il nous sera donné, ce qu'on fait de la prospérité. Donc, l'école, c'est la motivation.
son motivation est à ma paix. Mais son motivation est allée, motivation est allée à égoïste et à cupidité, mais c'est allé pour l'évangélisation. Je crois que là c'est bien, même pas seulement la femme ou la bateau bébé, c'est pas mon but, mais l'essentiel, tu sais, pour faire, on a dit là, pour essayer de faire ça, on s'en mais parce que, retour au senti de l'obéissance. Si je parlais, peut-être dans ma profondeur, et souvent nous enseignons, nous aurons le retour au senti. Mais normalement, cet enseignement, c'est en rapport avec la Moussa Lantam et tout ça. Surtout ça, Moussa Lantam, pour y avoir mon abandon bébé, pour y avoir mon abattu bébé. Vous suivez tout le monde, vous êtes aidé à cause de ça, dans le temps de tout ça. Mais non pas seulement la publication, mais pas comme tel, il y a un principe qu'on a avec tout au centre, peut-être dans le monde, vous faites ça. Un, aux 800, et vous ça, ma maman, vous faites ça, ma colonie, sur le et puis, surtout, vous avez l'amour de tout au centre. L'un a fait 6 1, l'autre a fait 6 l'autre a fait 6 10, l'autre a fait 10 000, l'autre a fait 6 100, l'autre a fait 1 million. Est-ce que réellement, va être vivant? C'est pour dire que ça n'a pas un rapport avec le problème de finances, mais avec les services chrétiens. Parce que quand nous faisons le travail de Dieu, je peux aller dans un pays, mais je ne connais pas les gens qui vont m'accueillir. Parce que nous avons beaucoup sur ma négo, à beaucoup sur ma frère, ma soeur, à beaucoup sur ma loco, pour y avoir ça avec eux, parce que tout ça, on s'en a. Amen. Donc, c'est le problème de la motivation. Toujours que les gars n'ont pas besoin pour que tous les gens m'aiment, parfois la question que parfois exposer. Par rapport au titre pour éclairer l'histoire, moi je comprends une chose, mais n'a évité, façon ni les autres aussi ont compris, quand vous parlez de la prospérité, vous avez plus martelé sur le plan financier et matériel. Alors, en donnant aussi l'exemple, vous avez donné l'exemple de Bill Gates. Par là, une pensée, Matinda, pour vous poser encore une question et éclaircissement, est-ce que on ne peut pas gommer un grand danger si et seulement si nous martelons plus la prospérité sur le plan matériel et financier. Parce que si nous voulons définir en paix la richesse, nous allons voir ces deux plans-là à l'intérieur, matériel, financier. Et quand nous voulons définir la prospérité, nous allons pas seulement voir le matériel et le finance, mais si on veut encore aller plus loin, comme vous avez dit quelque part, état, être en bonne santé. Plus loin, il y a encore d'autres dons, mais il y a plus lié la spiritualité. Alors, est-ce que vous pouvez nous aider à recevoir cette confirmation, si cela est réellement fait que la prospérité ne peut que être un sujet des enfants de Dieu, ou ça peut aussi être un sujet des païens. Par rapport à moi, je ne sais pas si je suis dans la perdition ou bien dans vous m'en invitez, est-ce qu'on peut accepter les qualifier de la richesse et pour les enfants de Dieu ainsi que la prospérité, parce que la richesse fait partie de la prospérité, mais pour le païen, eux n'ont pas la prospérité, mais ils ont au moins la richesse. Parce que quand vous souvenez de Dieu, je ne connais pas son état d'âme comme on dit parfois ici chez nous. S'il est chrétien ou païen, je ne sais pas. Alors, si et seulement si on doit prendre ces références, est-ce que ça pourrait être une motivation s'il est païen? Ou bien si on pourra plus tard, plus loin, prendre des références des hommes de Dieu qui ont déjà qualifié même dans ces domaines-là, ils sont vraiment tellement bénis d'une manière extraordinaire pour que ça puisse aussi nous aider à cadrer le message qu'on parle de la prospérité. Parce qu'il y a deux, il y a un peu, donc je voulais un peu, je m'arrête là, sinon je vais. Dans la parole de Dieu à propos de l'argent, prospérité et générosité, pour insister sur 3 Jean 2, mais là où on dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Tous égards, et nous allons voir un voyage, une fois ça va prospérer à vous. J'ai insisté dans Yango parce qu'il y a moi-même de créer un problème dans l'église, dans l'Issot. Ce n'est pas la prospérité spirituelle. Pour que nous puissions faire un temple, moi je vous dis dans mon église, vraiment, depuis Bandati de l'autre, c'est d'abord, j'ai voulu que la prospérité soit d'abord spirituelle et un temple. Suivi, il y a physique. Il y a des gens qui venaient à l'église ici, par rapport à la communication. Mais dans ma communauté, il y a des gens qui ont la prospérité spirituelle. Ma première ligne, quand il y a eu, sauver la souffle. Vous comprenez? Donc il y a d'abord la prospérité spirituelle, qui a des retombées sur le plan physique, et qui doit se terminer par la prospérité matérielle et financière. La soumise, il y a un souffle, la tchamon du bossoté. Mais dans le vide, ma problème, c'est se poser dans l'église, dans ces problèmes en Mongo. Parce que là, dans mon cas, il faut dépenser quand même. Mais tu dis que la pauvreté, on a fait tout le monde la prospérité, moi, tout ça la prospère. Et ça, et puis, il faut parler de la prospérité matérielle et financière, parce que spirituelle. Là, ma physique, ma guérison, tout le monde, on a ma délivrance. C'est ça, la maman. Vous comprenez?
Donc, je connais que 3 Jean 2 commence d'abord par la prospérité spirituelle, qui est devenue la prospérité physique dans les corps, pour terminer par la prospérité matérielle et financière. Mais la situation aujourd'hui à l'Église, c'est parce que nous négligeons cet aspect de la prospérité matérielle et financière. Donc, en rentrant dans la spirituelle, aujourd'hui, toi, va sans tout. Les gens du monde sont beaucoup aussi compétents que Bala Nzambe. Parce que gagner ma compétence, il doit avoir compétence dans ma compte. Pourquoi pas Bala Nzambe aussi? Parce que pour faire valoir ma compétence dans ma compte, il y a un moment, c'est ça qui a l'illusion, par rapport à talent. Pour là, il y a un talent, 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 il y a un mauvais serviteur. Vous comprenez? Donc, Bill Gates, si je fais allusion à cela, parce que c'est l'homme le plus riche du monde, celui qui est une référence par le Baraï. Mais nous avons fait la référence à Aïté. Je vous ai cité le géant, il était Aïté Guine, qui ne connaît pas un nombre de fois, à savoir l'histoire, les lots qui est comme là, qui est toujours vivant. Mon colonel, surtout David et Oedeko, a connecté dans Kenneth Copeland parce qu'il y a une vidéo, il l'appelle aujourd'hui le prophète de la prospérité, Moutakabarabafion. Un homme dédié à Kabarabafion, dans le ministère, c'est Kenneth Copeland. Donc, $100. Vous comprenez? Mais la monde, je parlais de Robert Kiyosaki, mais qui est cet homme dédié à l'éducation financière? Paul va surtout s'en sortir de la liberté financière. Peut-être que j'ai lu Mathieu Hashimoto qui a parlé de la liberté financière. C'est là où j'ai compris que, ça n'entend pas la question, c'est parce que la connaissance de ce que c'est ignoré, il y a de faire avancer par le cours. Parce que, écoutez le principe. Moussou Soukou et Zali, et ça va être pour la chrétienne dans la païen. La Kaboula Monté. La loi de la semaine et de la moisson, est-ce que c'est seulement pour les chrétiens? C'est pas seulement pour les chrétiens. Même païen soit en Ligue africaine, pour moi, on a le même résultat. Mais seulement, on ne va pas payer sous, on a l'inna gagné Monté, mais le principe va s'appliquer pour la païen. Donc, la Kaboula est en Monté. Donc, nous devons aussi avoir cette sagesse-là, ce bon sens. Tout les honorables, le la bataille, monsieur, pour le temps, ma plus absurde, ma haine, pour faire avancer, vous serez dans le droit. Pourquoi les anglophones, le coup la bataille, la Nigeria, laissez-moi un peu vous dire, par rapport à la Bissau, bah, qui n'a pas la guerre à mon livre, ou n'a pas la Nigeria, hein, Daosa, mon livre, et en même temps, bah, font la école, bah, l'université, bah, qu'est-ce que voilà, ce que c'est là, les arts à faire avancer. David Olivier, la université, les alibis, voilà, mais surtout, ça c'est la sagesse, c'est l'intelligence. Non, ma capo, nous sommes pas après ça, vous comprenez, parce que quand même, quand on lit, on peut être dans mon livre, nous sommes pas au salaire, on fait ça, le temps pour l'amour. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Donc, vous savez, dans le monde, comment on définit quelqu'un qui est riche? Il y a des critères internationaux. Sur un sujet à la culture, mon bon aïe, si tu as $1 million jusque-là, tu vas nous vivre riche. Nous sommes dans 999 000, tu as $100 000, là tu es dans la classe moyenne. Si tu as un dessin à $100 000, nous avons. Mais la plupart des gens sont de la liquidité, on ne doit pas pauvre. Mais oui, ça c'est les critères internationaux, mais c'est pas ça, catégoriser pas ça. D'ailleurs, tu es heureux, tu es dans 1000, et tu as $10 000, tu ne vas pas bien, mais tu es riche. Est-ce que tu trouves que comment on a un bon point et ça qu'on a pas payé? Mais non, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc à moins que ça ne soit que tu comme un millionnaire, tu comme un bon métier. Donc nous devons aussi voir les critères du monde que va faire définir pour la place à la barrière. Pourquoi nous ne pouvons pas aussi atteindre cela? David et Olivier, ils font quand même la différence. Alors 100 000 dollars à Bali, ils sont classés comme l'homme de Dieu le plus riche parmi les personnes. Lui-même, il a dit, je ne suis pas l'homme le plus riche du monde. Mais je suis quand même le pasteur le plus, à vrai dire, le plus prospère, mais dans le domaine de ma camarade. Vous comprenez? Donc, de tout viser plus loin, il faut qu'on arrête les enfants à ma païen. C'est ça la vérité. Tu as donné cela pour les enfants. Moi, c'est pasteur Thierry. Ma préoccupation est la suivante. Dans l'ingui, papa, comme toujours, le bénéfice, c'est la prospérité.
Nalingi, au mégamam que vous éclaircez Bissot, dans Matthieu chapitre 5, verset 3, oh Jésus, Azoloba, ce qui va vous autant de la vie sur un mot, comme ça, on est quand même moi que vous éclaircez Bissot, parce que tant Azoloba c'est la prospérité, ils apportent tout le long en état de la pauvreté. Mais Jésus, on a Azoloba, la vie sur passage, moi, Azoloba, verset 3, oui. Ok, Nanini, papa, on m'a dit que c'est Bissot. Jésus a dit que c'est Bissot, parce que c'est Bissot. Yami Bale, Nanini, on m'a dit que c'est Bissot sur Luc chapitre 16, verset 19. Oh, histoire, il y a riche, na Lazare. Ok, Lazare était un homme de Dieu, mais il était pauvre devant un homme qui était riche. Je ne sais pas, Abana Goban, en disant, était ni. Mais comment après sa mort, tu as dit qu'il sera un homme qui est un. Bon, je vais vous dire un peu, on peut éclaircir sur ce passage-là pour être un homme qui est un homme. Merci beaucoup. Non, heureux les pauvres en esprit, veut dire quoi? On est pauvre en esprit comment? C'est-à-dire quand on reconnaît qu'il y a lieu beaucoup de l'autre côté, il faut qu'on entende. Voilà comment on est pauvre en esprit. D'où il faut naître de nouveau. Si on peut amener à Sibouyami Jésus-Christ, alors à ce moment-là, il faut vivre sans prospérité. Il faut vivre sans la prospère, non pas sans la pauvre. Donc, pauvre en esprit, ça il y a la pauvre matériel et financier. Non, les pauvres, je reconnais que sans Dieu, je ne peux rien faire. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Tant qu'il y a un billet, alors à ce moment-là, on a un billet, il y a un billet, il y a un billet, il y a un riche, il y a un pauvre, et il y a un billet, il y a un pauvre. Et pourquoi on va être riche? Nous devons être riches sur le plan matériel et financier. Ça va? On a pris votre musique. C'est Galata, puisque Abraham n'a là le pauvre Lazare. Bon, ce que tu as le pauvre Lazare, ou bien tu as l'Abraham. Tu as l'Abraham, c'est le père de la foi. Vous comprenez? Abraham, quand il a commencé à mouer la Charan, et bien Lazare qui a fait qu'elle est, c'est avec seulement la parole. Dans la vie, qu'elle a évité. À quoi dans la parole? Et après, tu as fait à Abraham, je crois, la Genèse 24, verset 1er. Abraham était devenu vieux, avancé en âge, et Dieu l'a béni en toutes les choses. Voilà comment il a terminé ça. Voilà aussi comment nous devons terminer notre vie. Béni en toutes les choses pour la même hasardée. Mais Abraham s'est retrouvé aussi. Salut, comme la fois, pour l'année passée, Abraham a dit. Donc, voilà un peu qu'on est dans le Baba Moussouba qui a faussé d'un côté. Par exemple, Lazare, le père de la foi, qui était riche, fort riche. Baba Moussouba, l'année qui va dans la vie, va Isaac, va Jacob, riche, c'est ça la prospérité pour nous emballer. Et tout ça, c'est pour nous aider à François. Amen. Donc, Baba Moussouba, la Lazare, il y a un peu quoi qui va se faire. Je suis un homme. S'il y a moyen, atteindre Lazare, après cet amour mal, pour ne pas se faire qui n'a pas mon gongo, comment dirais-je, la gauche. Papa, ce qui est total, il y a un peu de temps, riche ou à la pouvoir, il y a un peu de sur les pauvres. Comme il a vu Lazare dans la gloire, il avait encore cette autorité-là d'envoyer Lazare, comme il dominait sur lui. C'est pourquoi tous les gens ont dit à Lazare. Tobo Yango, papa. Gaye, Nabo Yango. Et les riches ont besoin toujours d'envoyer Lazare. Comme ils dominent sur les pauvres, ils sont Tobo Yango. Le Saint d'Abraham, ils sont dans la pauvreté de Lazare.
Abraham, Abraham, notre modèle pour nous. Vous comprenez? Mais riche, peut-être, va sauter à riche, on passe à la cupide. Donc, on a eu qu'on comptait dans l'eau, on a eu à compter dans nos armées. Beaucoup de gens comptent sur leur bien au lieu de compter sur Dieu. Il y a riche, on a ses retrouvailles courantes. Tout est avant dans nos armées, pas compter dans la gloire, on n'a pas monté, mais pas compter dans nos armées. C'est ça la différence, on peut ça par rapport à l'homme riche qui s'est résumé dans le mal. Ce n'est pas mauvais d'être, on va devoir compter un homme, on monte comme riche à ses retrouvailles là. D'un côté à fausser. Même les hommes de Dieu soient des gens prospères, nos ministères prospères, pour que nous puissions accomplir ce qui est la volonté de Dieu. Lèvons les deux mains, tel que le Saint-Esprit va vous inspirer, priez à la fin de cette conférence. Élevons la voix, priez. Si tu as organisé cette rencontre depuis le matin jusqu'aujourd'hui, nous te remercions de tout un chacun. Seigneur Dieu, nous croyons à la prospérité parce que tu l'as dit dans le psaume 118. Jésus qui était riche, qui était prospère, nous devons suivre ses traces. Et je crois qu'à la fin de cette conférence, chaque homme de Dieu est en train de vivre la prospérité. Les riches en Jésus-Christ, les membres de nos églises, ils vont vivre la liberté financière. Ils seront riches, prospères, et nous allons manifester ta gloire. Gloire à Dieu. Alléluia.
prêcher pour la bonne santé, à témoigner au peuple de Dieu, parce que la santé, c'est la vie. Pour la Kamachka, merci Seigneur pour la prospérité. Tu veux que nous soyons prospères afin de contribuer à l'avancement de ton royaume en propageant l'évangile, la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Seigneur Dieu, tu veux notre prospérité et nous croyons à cela. Et voilà pourquoi, Seigneur Dieu, nous irons annoncer la bonne nouvelle. Nous allons former les gens qui iront. Et Seigneur, nous voulons voir cette vérité devenir réalité dans nos vies personnelles, dans nos églises, dans nos ministères. Seigneur, nous croyons cela, ce n'est pas pour rien que cette conférence a été organisée. Et nous croyons que tu es à l'œuvre par le Saint-Esprit qui est en train d'agir pour empêcher le mal sous toutes ses formes. Le mal qui vient de l'ennemi, les diables, qui amène la pauvreté, les maladies, que cela s'arrête. Parce que Jésus, c'est toi qui es la tête de l'Église. C'est toi le commandant suprême de l'armée d'occupation. Tu as vaincu Satan. Ta victoire, c'est notre victoire. Et nous régnons en roi dans la vie par toi seul, Jésus-Christ, le roi de Dieu, le Messie. Merci Seigneur. Alléluia. Pour les bien-aimés croyants en prospérité. L'homme est tel que sont les pensées de son âme. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Les seigneurs que nous avons reçus, ils n'étaient pas pauvres. C'est seulement sur la croix qu'il y a eu cet échange entre lui qui était riche et nous qui étions pauvres. Et voilà pourquoi nous sommes appelés à vivre la prospérité, à être riches, abondamment pourvus, complètement provisionnés. Que Dieu pourvoie tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus. Nous croyons que quand nous sommes généreux, quand nous donnons, il nous sera donné une bonne mesure, serrée, secouée, qui dévore, et on nous mesurera la mesure dont nous avons donné. Seigneur, que toutes ces vérités structurelles deviennent réalité dans nos vies, et je crois un grand changement qui va s'opérer après cette conférence. Seigneur Dieu, le Saint-Esprit va agir dans nos églises, dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos vies personnelles, dans nos finances personnelles. La puissance de Dieu va se manifester. Il y aura un grand changement, une grande croissance, une croissance explosive. Seigneur, tu vas encore donner la sagesse, la capacité. Et Seigneur Dieu, nous deviendrons créatifs. Nous allons entreprendre et tu béniras tous les travails de nos mains. Les fidèles de nos églises, ils vont sortir de la pauvreté. Et le moment est arrivé. Cher Saint-Esprit, intervient. Nous te donnons les secours. Glorifie Jésus dans nos... Alléluia. Cette vérité de la parole de Dieu devient une réalité. Et je crois à la lumière de la parole de Dieu qui dit dans Psaume 119, verset 25, Dieu nous rendra la vie selon sa parole. Cette parole qui dit, je souhaite que vous prospériez à tous égards, sur le plan matériel et financier, et que vous soyez en bonne santé pour vous soigner de votre âme. Pasteur Célestin, je m'accorde avec toi la lumière de ta parole.
Écoutez ça dans la parole à papa. Oh,
liberté que Dieu nous a donnée. Et nous sommes libres, spirituellement, libres, physiquement et libres financièrement. Je le déclare au nom de Jésus. Et tous ensemble, bien sûr, que nous sommes d'accord. Béni soit Dieu. Amen. Très pauvre, c'est ce que nous avons comme riche,
On peut venir, on peut devenir spirituellement riche. La polygayesse, le retard à vivre, le retard à vivre. Ça commence d'abord spirituellement, richesse. Après, c'est que matériel, après, c'est financier. Donc, c'est ça ce que le retard nous a dit. Que tout d'un cas focalisé, qu'on a profité, tout le monde a un cycle présenté, tout le monde a que ça ne marche pas. Mais or, que dans la Bible, Jésus-Christ lui-même, il s'est fait pauvre pour nous, que nous soyons riches. Donc, tout le monde a la Bible, tout le monde a Jésus-Christ, toutes les richesses, tout si maman. Ce que vous oubliez dans la version, moi, je vais te dire que ça a riche. Ok, peut-être en toi, vous avez ma don, vous avez ma grâce, vous avez ma potentialité, mais là, ok, ça a été beaucoup ma riche. Mais le fait que, on dit que nous connaissons que vous avez un bon mot, vous avez des pauvres. Nous, on a fait la grâce, on a fait des coups humains. Or, que les temps où on a Jésus-Christ, vous voyez que en moi, j'ai la richesse, et puis au réveiller en mot, au salé l'enlever, et tu deviens riche. Merci. Bonjour, fils. La tête de l'église. Moi, c'est l'église CID, c'est-à-dire le centre d'intercession et de délivrance. Et tant que durée était à conférence, vous avez pressé non pendant 3 jours où il y a durant le oui, un peu sur l'engagement que les révolutions, nous remercions le Seigneur pour toi parce que le fait de vous permettre à ceux que l'homme de Dieu, Archevêque Capitaine Bourg, n'a pas organisé ma bonne. Pourquoi? Parce que lorsque nous regardons dans nos églises, il y a trop de perturbations à ce qui concerne les tamitales offrandes, bien bon. Alors, la dingue à Semelbisou-Yango, sur les 3 étapes, il y a l'argent, il y a la prospérité et la générosité. Vraiment, au moins, que même dans nos églises, il y aura maintenant des bonnes choses qui vont se passer. Dingue, comme tout, il y a tout simple, et surtout, à Martonnet, dans le BT, ce qui est très important, c'est de prendre d'abord l'argent, mais c'est de gagner les personnes, pardon, les âmes ou le cœur des personnes. Lorsque les quêtes des personnes sont gagnées, quand on bat, on va continuer à te faire la générosité et à couper sa part. Voilà, pour moi, ce que je veux dire, que Dieu soit loué, parce que la présence des hommes de Dieu qui ont dit remercier cela, et nous avons abattu la moussa de Naïe, abattu la moussa de Naïe, et on continue à couper sa part, on va assister à Boye, mais c'est pas enseignement à Boye. C'est pour nous, c'est la croissance de nos églises. Merci beaucoup, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour. 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 Pendant 3 jours en conférence, bon, mais impressionnant, les amis, parce que l'essentiel est à bouiller Dieu. Pour nous, en Balinga, qui nous mettre à disposition au corps de Christ, c'est sur l'argent, la prospérité et la générosité. Je crois qu'il y a un livre en haut. Je crois qu'il va pas mourir pour rien. Donc, je crois que pour moi, il y a un changement dans l'église, dans la vie. Parce que parce que l'Anzambe va comprendre que nous avons l'Anzambe dans l'église, dans Bango, et c'est tout à la prospère, pour être Nzambe à la prospère, pour accomplir le grand mandat où ils allaient, pour gagner ma âme, pour agrandir le royaume Nzambe. Donc voilà ce qui est beaucoup plus important. Donc je crois que le voir communion, tout à la chaque mercredi, tout à l'événement, je crois que vous continuez suite, il y a vraiment qu'un processus. Mais bah, on va attaquer. Parce que bah, la connaissance, les puissance, les pouvoir. Donc, je crois que si vous pouvez vous faire avancer au royaume en disant, mais alors que tout ça, il y a un problème la vie, maintenant de vous. Voilà. C'est comme se remarquer que Mathieu, c'est bien, mais c'est bien, vous êtes bien, vous êtes bien, bon, le temps est acquis 3 jours, hein, et coca qui pour l'engager, parce que le temps c'est de l'argent. Hein. Voilà, bah, ma maman est belle, alors c'est aussi une opportunité dans le temps bâclé ici. Il y a un des tours à la gamme. Un mot de la fin. Un mot de la fin, donc nous avons besoin de coup parce que pour l'engager, c'est une grande satisfaction. Et là, on a gagné dans le Cameroun, dans le corps de Christ, qui peut être tout le monde à l'église, dans la pauvreté. Peut-être que tu vas se retrouver d'un côté ou l'autre, à l'extrême, dans la matière, à la prospérité, à un mot. Et les gens vont comme ils ça va prendre la matière. Je crois que tout ce qui est là, principal, c'est la vérité, Jésus-Christ, et on a dit que vraiment, pourquoi tu es d'importance à nous, pour jouer la liberté financière, la puissance, nous sommes tous tous là, tout ça, pour faire avancer le royaume en Zambé, et prospérité en Zambé, pour évangéliser, et en même temps, tout ça, la générer, tout le monde va pour la puissance, tout la typique, mais tout à la riche, pour générer, voilà, on Zambé, voilà, on peut tout écouter, on fait ça, et je crois que Saint-Esprit, il est très bien, ça, on continue, ça, là, pour se mettre à ça, pour être maté, et va se propager, et puis il y a seulement temps de la mission. Merci.